Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver ce matin sur cette antenne Equinox Télévision avec 10-12, le Zénith. La dernière édition de l'année 2020 aujourd'hui. C'est un plaisir de vous retrouver encore et vous rassurer, quoi qu'il en soit, que pendant 2 heures de temps d'antenne avec la grande famille, comme c'est le cas tous les matins, nous irons encore très loin. Question de vous permettre de mieux comprendre le Cameroun d'aujourd'hui et qu'est-ce qui nous permettra d'avoir un pied dans 2021. Avions-nous résolu tous les problèmes de 2020 pour pouvoir penser effectivement à 2021? Il y a quelques semaines encore, les débats étaient houleux au sein de l'Assemblée nationale où les ministres venaient justifier chacun le budget de l'année. Un budget qui a été bien évidemment augmenté pour l'année 2021 malgré les nombreuses alertes faites à l'endroit du gouvernement camerounais. Comment expliquer que 2021 risque d'être plus grave encore du point de vue économique que 2020 avec la crise sanitaire que nous avions connue. Ce soir, lorsqu'il sera 20h, le chef de l'État s'adressera aux Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur à travers le traditionnel discours de fin d'année. Paul Biya, qui cumule depuis 38 ans à la magistrature suprême, va encore s'employer pour une énième fois à cet exercice. Exercice aussi important mais capital qui lui permet de faire un bilan de l'année écoulée sur les nombreux chantiers qui ont été engagés par le gouvernement camerounais. Et il est également de bon ton de se demander que va-t-il encore dire aux Camerounais ce soir. Les Camerounais s'arrêteront-ils sur les slogans qui pourront sembler être creux? Est-ce qu'il y a du contenu crédible, acceptable du discours que le chef de l'État pourra donner ce soir? Madame, Monsieur, le rendez-vous est pris. Mais au-delà de cette réalité, on se demande, les Camerounais vont-ils s'intéresser véritablement au discours du chef de l'État? Beaucoup ont déjà sur la toile trouvé l'occasion de dire qu'ils vont boycotter, ne rien écouter parce qu'il n'en sortira rien de ces discours. Qu'est-ce qui peut justifier, on dira en même temps, l'attitude des Camerounais qui s'insurgent contre un pareil moment important pour la nation? On écoutera le chef de l'État lorsqu'il sera 20h. Mais à côté de Paul Biya, on parle aussi du professeur Maurice Kamto, qui est le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, d'ailleurs deuxième à l'élection présidentielle, qui lui aussi, à travers les réseaux sociaux, va en profiter pour livrer un discours aux Camerounais. Il fera à sa manière son bilan politique de l'année, son bilan économique, mais surtout les nombreuses approches autour de la résistance qu'il permet toujours de mettre en place. Les Camerounais vont s'en délecter assurément dans quelques heures seulement. La grande famille, Charles Lamel, Mbombo, Karine, Dominique, Audrey, Oyengelek, ensemble unis pour la même mission, jusqu'à 12h, madame, messieurs, restez les nôtres. Mbombo Mbengankanji, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous, chers téléspectateurs. 1984, le chef de l'État nous avait appelé à ne pas participer à la fête de l'unité. C'était normal, il y avait eu tentative de coup d'État le 6 avril de cette année-là, 1984. Cette année aussi, c'était une guerre, Covid est venue, décimer la population mondiale. Il nous a appelé à ne pas faire ce rassemblement. C'était normal. Mais les questions que le chef de l'État avait posées en 1984 restent encore d'actualité et je vais les rappeler. Pourquoi sommes-nous Camerounais? Qu'est-ce qui nous rend fiers de l'être? Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Je pense que comparaison n'est pas raison. 84, on n'avait pas défilé. 2020, on n'a pas défilé. On aimerait bien comprendre aujourd'hui si le chef de l'État pourrait répondre à cette question, à ces trois questions. Je répète, pourquoi sommes-nous Camerounais? Qu'est-ce qui nous rend fiers de l'être? Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Ils sont des prisonniers politiques aujourd'hui. Olivier Bibou Missak reste effectivement dans les prisons du Cameroun. Et d'ailleurs, le conseiller porte-parole du professeur Maurice Kamto a pris la parole devant la cour d'appel du centre hier lors de la comparution le mardi 29 décembre 2020. Explosif, il est resté imperturbable et a fait parler de lui-même au cabinet du juge de la cour. Le document fait le tour de la toile aujourd'hui. Olivier Bibou Missak,
aura-t-il la chance de voir la justice camerounaise lui permettre de recouvrer sa liberté? Et à côté de lui, on parle effectivement du professeur Alain Foguet, toujours du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Qu'est-ce qui peut expliquer la tentative de, on dira, tous les éléments de cruauté mis à sa disposition aujourd'hui? Lui aussi s'est adressé par correspondance à une certaine autorité judiciaire pour dénoncer les traitements cruels et dégradants qu'il subit dans la prison camerounaise aujourd'hui. Madame, Monsieur, le Cameroun est fort intéressant sur ces aspects. Comment les vivre à la fin de l'année 2020 et se plonger dans 2021? Charles Amem Batchouf, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Monsieur Michel Ngatiou, bonjour à tous les téléspectateurs. Karine Santia, bonjour à vous. Bonjour Michel, bonjour à nos téléspectateurs. Pendant qu'ailleurs, les fonctionnaires se battent pour aller en retraite à l'âge de l'espérance de vie, au Cameroun, ils sont très contents de célébrer qu'on ait prorogé ou encore qu'on ait augmenté 5 ans sur leur âge de retraite. Parce que désormais, les fonctionnaires de catégorie A et B iront en retraite à partir de 60 ans. Et ceux de la catégorie C et D iront en retraite à partir de 55 ans. Ça fait bien sûr partie des décrets qui ont été rendus publics hier soir par le chef de l'État, Paul Biya lui-même. À voir, à décrypter, mais surtout à entendre dans le cadre de 10-12 le Zénith qui vous accompagne avec la grande famille. Oui, bon, bon, ben, Gankalji. Nous, les indigènes, il y a eu quelque chose qui s'est passé hier, on n'a pas bien compris. Il s'agit de quoi? Le Premier ministre avait dit au revoir à certains fonctionnaires qui avaient déjà pu arrêter. Maintenant, le décret arrive, on va les rétablir. Non, ils ne sont plus en fonction. Ils sont partis. Parce qu'on a dit que ça, cette mesure, ça prend effet sur ceux qui sont encore en fonction. Ah, voilà, donc c'est pour ceux qui sont encore en fonction, cela prend effet. On en parlera tout à l'heure. On va décrypter cela avec vous, madame, monsieur, dans le cadre de 10-12 le Zénith. N'oubliez pas, les pas sont connus. 10-12 le Zénith sur Facebook et Equinox TV. Pour vous qui nous regardez en live, merci beaucoup. Un message tout à l'heure au bas de l'écran pour vous permettre de rester justement en interactivité avec nous sur le plateau. Dominique Audrey, bonjour déjà à vous. Bonjour Michel. Et surtout, bonne année 2021. On n'y est pas encore. Hein. Mais je vous le sais déjà. Beaucoup de choses peuvent se passer. J'ai une interrogation ce matin. Tous les Camerounais sur la toile, on a observé qu'une de nos sociétés, une société camerounaise de téléphonie notamment, aura invité des artistes étrangers pour des prestations par rapport au lancement d'un nouveau produit à destination des Camerounais. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on n'a pas pris des artistes camerounais pour la clientèle du Cameroun. Parce que c'est une société étrangère. Je parle de la nôtre. Ah bon. De la nôtre qui organise justement un événement avec d'autres artistes. Pourtant, c'est dans le pays qu'on va vendre tout ça. Ces produits, parce que ce n'est pas normal qu'on tourne le dos au nôtre comme ça, mais qu'on nous demande d'acheter des produits et qu'on ne demande pas à nos mascottes, c'est pas péjoratif. Donc les artistes, les artistes camerounais ont été mis de côté, on a jeté le dévolu sur un artiste étranger pour venir assurer le lancement de ce produit-là. Oui, entre autres. Entre autres. Oui. Voilà, donc maintenant, c'est pas normal. Est-ce que les Africains, est-ce que les artistes camerounais comprennent justement la réalité? Ils sont certainement dépassés. Est-ce qu'ils ont compris? Ils ont beaucoup décrié ce genre de fait. C'est pas normal. Les artistes. Et le mal, c'est que c'est une société camerounaise. Les autres sociétés, bon. On peut comprendre qu'elles sont étrangères. Oui, et la nôtre, non. Et justement, les artistes camerounais sont-ils incapables de porter ce genre de projet? Là est toute la question justement. Il est peut-être important de le dire qu'il y a un florilège d'artistes étrangers qui depuis des jours fait le tour du Cameroun. Et quand on évalue la totalité des cachets de ces artistes, on est à 1 milliard de francs CFA pour ces artistes étrangers, beaucoup plus africains, français, qui sont venus au Cameroun pour des soirées privées. Et quand on évalue le budget dans sa globalité, on est pratiquement à 1 milliard de francs CFA. On parle bien de 1 milliard de francs CFA pour ces artistes-là. Et les artistes camerounais, est-ce qu'ils ont un quelconque soutien? C'est l'argent que la Chine avait donné au Cameroun pour soutenir le Cameroun pour la lutte contre le coronavirus. À qui le dites-vous? 1 milliard de francs CFA. Ah, c'est à moi que vous le dites? Oui. Je voulais juste vous aider. On les attend pour faire les petits travaux, les trucs négligeables. C'est là qu'on va appeler les artistes du Cameroun. Et c'est comme ça qu'on achèvera bien sûr 2021. L'histoire de ce matin, Dominique Audrey. On est divisé.
on est divisé entre deux personnes qui se sont mariées il y a 3 ans. Et après le mariage, ils ont décidé de passer alternativement les fêtes qui, d'abord chez la femme pour la première année, la deuxième année chez le monsieur, et cette troisième année devait normalement se passer chez la dame, puisque les parents savent que c'est comme ça que tout est régenté. Pour cette année, les frères de la dame qui vivent à l'étranger ont décidé de passer les fêtes de fin d'année ici avec le corona. Vous savez, lorsqu'on a échappé à ça, on a vite envie de revenir retrouver les siens pour passer de bons moments ensemble. Et malheureusement, le mari de la dame lui a dit « on a un imprévu cette année. Tu vas d'abord oublier qu'on devait aller chez tes parents, on va aller chez les miens parce que j'ai envie aussi de passer du temps. » Elle lui dit « non, c'est pas possible. Avec mes frères, on a déjà fait nos programmes. Entre autres, on va faire le tour du Cameroun. On a envie d'aller à Kribi, il y a une nouvelle boîte de nuit là-bas qu'on aimerait découvrir. Ils voudraient aussi aller à Yaoundé, revoir une ancienne boîte de nuit qu'ils ont connue avant de quitter le Cameroun. Son mari lui dit non, si c'est pour ça madame, vous n'irez nulle part. Parce que je me rappelle de toutes les fois où vous êtes sortie et les images de ce que j'ai vu, c'était des hommes qui vous collaient n'importe comment, vous reveniez toute saoule, méconnaissable, dans un piteux état, donc c'est inacceptable, vous n'irez nulle part, encore moins avec vos frères là qui aiment bien faire la fête. Vous êtes une femme mariée aujourd'hui et je ne l'admets pas. La dame donc de dire à son époux, je suis désolée, lorsque je vais chez vous avec vos frères, c'est l'ennui total. Il n'est pas question que j'aille passer cette année qui a été un mortuaire de la sorte. J'ai envie de célébrer ma vie et je le ferai avec ou sans vous. Donc son mari lui a dit, si tu sors de cette maison pour aller chez vous, alors que j'ai demandé qu'on aille chez nous, madame, vous ne reviendrez pas chez moi. Donc, voilà la dame. Elle ne cède pas. Sa famille l'attend. Sa famille l'attend. Son mari dit qu'il veut la chasser parce qu'elle va aller chez elle. Il y a des injonctions de son mari. Non, on ne doit pas dire injonctions. Non, d'accord. Bon, d'accord. Bon, il y a des recommandations, des instructions, si vous voulez, de son mari. Les demandes, c'est mieux. Et elle veut justement les braver parce qu'en fait, elle veut aller faire la fête avec sa famille. Sa famille. C'est comme ça que c'était prévu. Voilà. On en parle dans un instant. Et il dit qu'il va la chasser pour ça. Vraiment, les hommes. Maintenant. On va peut-être. On a omis ce matin de dire, s'il vous plaît, levons-nous à la maison, si vous pouvez le faire. Ouais, happy birthday à Charles Amem Bachou ce matin. C'est un bantou. Non, happy birthday à Charles Amem. C'est ton jour aujourd'hui. On a omis de le faire. Mais on devait t'appeler Sylvestre Charles Amem Bachou quand même. Il a dit que son père n'était pas gentil. Il a refusé de mettre le premier janvier. Donc les téléspectateurs normalement doivent se déplacer pour venir l'assailler ici, pour qu'ils nous disent où on va finir cette fête d'anniversaire tout à l'heure. Il y aura des gâteaux qui vont venir aussi, on ne sait jamais. En regardant l'écran, il y aura peut-être un gâteau qui va venir tout à l'heure. Il a tout calme, comme s'il n'y avait rien. Et il ne nous dit rien. Oui. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il a l'air têtu. Les enfants nés le 31. Là. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, c'est le talk show qui vous intéresse, qui vous accompagne. Et nous vous disons encore merci de nous rester présents, ouais, mais surtout fidèles tous les jours. Comment vous comprenez l'histoire de ce matin? Madame, vous ne sortez pas parce qu'en réalité, lorsque vous êtes avec votre famille, vous revenez dans un piteux état. Enfin, dans un piteux état, c'est inacceptable. Eh bien, cette année, vous ne sortez pas. Et à madame de dire, quand je suis avec ta famille, je m'ennuie. Comment vous comprenez ça, vous? C'est quand même assez fort, non, Karine? Est-ce qu'on peut le dire comme ça, son mari? Quand je suis avec ta famille, je m'ennuie. Mais si elle s'ennuie. Mais son mari, non. Elle devait dire comment? Non. Bon, elle devait dire comment? Votre mari, quand je suis avec votre famille, à vous, je m'ennuie. Puisque vous êtes toujours entre vous, vous parlez de vos sujets, vous parlez de votre langue. Vous n'êtes pas pour la parole. Non, je complète, juste. Vous n'êtes pas pour la parole. Je complète. Quand je suis avec votre famille, je m'ennuie. Est-ce qu'une femme doit dire ça à son mari? Elle devait dire comment? Non, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle aurait pu dire? Elle aurait dû dire comme elle a dit. Il n'y a pas de problème à ça. Et elle s'entête justement à sortir. Elle peut pas faire comme si elle s'ennuyait pas. Maintenant, il y a aussi les personnes. Lorsqu'elle est mariée. Ça peut. J'ai dit, elle peut dire qu'elle s'ennuie, c'est son mari, c'est pas un voisin. Elle peut dire qu'elle s'ennuie. Mais le problème ici, c'est que elle le dit justement parce qu'elle a un plan B. Vous voyez. Et dans cette histoire, ce matin, je remarque bien que c'est un couple de fêtards. Vous voyez. Donc ils se connaissent. Les deux se voient, ils connaissent les excès de chacun. Et il ne veut pas qu'elle ait des excès quand il n'est pas à côté. Ils se connaissent donc. Son problème, ce n'est même pas qu'elle doit aller fêter dans sa famille à lui. Il veut qu'elle fête là où lui il est.
Et c'est là-bas le problème. Tout problème, c'est non, tu dois être là où je suis. C'est pas parce que... Parce que quand Dominique raconte ça, vous comprenez qu'ils alternent les célébrations. Oui. Cette année dans ta famille, l'autre année dans ma famille et autres. Ça veut dire que vous pouvez célébrer n'importe comment, c'est pas un problème. Lui, il devait être dans sa famille, en fait. Il devait être dans la famille de la femme cette année. Et il veut battre ça en touche. C'était leur organisation ensemble. Il veut battre ça en douche et aller dans sa famille. Sauf que comme il veut aller là, il ne veut pas négocier. Il veut que ce soit la force. Sauf qu'il a en face de lui une femme qui est comme lui. Les deux là se connaissent bien. Non mais sont sérieux quand même. Okay. Si votre mari vous dit, bah, écoutez madame, je ne suis pas sérieux, je ne suis pas d'accord que vous alliez passer votre fête avec votre famille parce qu'en réalité, lorsque vous revenez, vous êtes méconnaissable. N'est-il pas de son droit de l'accompagner? Je dis que l'histoire, ce n'est pas que c'est parce qu'elle veut partir faire la fête. Oui, l'histoire nous dit que les deux alternent. Les fêtes. Mm-hmm. Donc lui, d'abord, il n'est pas en train de respecter son engagement. Contrat de départ. De venir passer les fêtes avec nous, chez nous. Il n'est pas en train de respecter. Maintenant, il veut qu'on aille célébrer chez eux. Sauf que, bon, chez nous aussi, mais dans sa famille. Sauf que là, il ne veut pas négocier. Il est en train d'avoir le même ton que vous, madame. Vous devez passer les fêtes avec dans ma famille parce que cette année, c'est comme ça que j'ai décidé. Et il n'y a pas d'autre mesure. Et que tu vas aller fêter seul. Ah bon? Mais mieux reste à la maison. Puisqu'on avait négocié ensemble, on avait arrangé. Maintenant, pour casser ça, on doit encore négocier et on gâte. Et ses frères viennent. Et qui décide? Je peux vous dire. Dans le foyer, Karim. C'est pas une affaire de qui décide. Donc là, on n'avait pas qui décide. Non, je pose la question. Monsieur Ngachou, la question, ce n'est pas qui décide. Le problème, ce n'est pas qui décide. Vraiment. On décide ensemble. Le problème, ce n'est pas qui décide. Ils sont deux. On n'a pas dit qu'on a demandé à la famille de venir parler dans cette affaire. Ils sont deux. Ils se sont arrangés dès le départ. Ils veulent casser un engagement. C'est comme l'histoire du Cameroun. Quand on a fini la tripartite, on n'a pas respecté. Non, Karine, maintenant, pour refaire, la diversion, s'il vous plaît. Non, non. J'ai dit que quand vous êtes assis, lorsque vous pouvez la question, qui décide dans un couple, mademoiselle? Même la France a dit que le jour où vous serez capable, vous allez vous asseoir. Donc, s'ils veulent changer l'engagement, qu'ils s'assiedent et arrangent avec les mêmes thèmes et disent, OK, désormais, on ne peut plus célébrer chez personne. On reste ici. Ou alors, si quelqu'un veut célébrer, on fait venir les enfants dans la maison et puis on célèbre avec eux. D'accord. Ils peuvent décider ça. Donc, c'est la solution que vous préconisez ce matin. Mais ce que je veux, ce que moi j'aimerais, c'est que s'ils sont en train de regarder l'émission, qu'ils s'assiedent et qu'ils prennent ensemble une décision. C'est pas que je ne veux pas, tu ne veux pas et tout. Ils peuvent prendre une décision. Il y avait deux célébrations. Pourquoi ils n'ont pas décidé que on fait telle célébration chez vous et telle autre célébration là-bas? Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Mais là, vous voyez que comme c'est chez la femme, ça cause problème. Ces deux célébrations, pourquoi ils ne l'ont pas fait? Je ne comprends pas. Ils n'ont pas besoin de se chamailler. Est-ce que l'homme n'a pas le droit quand même de s'inquiéter? Si avec les frères de la femme, il y a un laisser-aller, il a quand même un droit de contrôle sur sa femme. Laisser-aller, là, il a bas, non, une fois. Laisser-aller veut dire quoi? Lorsque vous revenez chez vous, Yves. Vous êtes saoul, oui. C'est normal, vous validez ça? Ça arrive à tout le monde, Michel Ngachou. On ne peut pas faire comme si on sort de Mars. Je pose la question. Oui, mais lorsque vous revenez chez moi, avec la tête qui tourne et que je bavarde. Et que vous ayez un langage approximatif, inacceptable, parce qu'il y a eu des excès d'alcool. C'est grave. Je dois valider parce que voilà. Vous donnez la sensation d'être un ministre dans une autre vie. Hein, Michel Ngachou. Un langage approprié, inacceptable, hein, Michel. Quand même. Même lorsque vous sortez avec votre femme, il arrive qu'elle est picole certains jours et que ce soit vous qui deviez la ramener à la maison ou que ce soit vous qui picoliez et qu'elle elle vous ramène à la maison. Le problème du mari, c'est qu'il dit qu'il a vu les images où sa femme dansait avec des inconnus et on a collé sa femme. Mais ce qui se passe dans ces endroits-là reste là-bas. Ça reste là-bas. Quelque chose, c'est ce qui va se passer. Non, vous pensez à autre chose. Non, je vais vous poser la question. Ses frères sont là. Ses frères contrôlent. Ah bon? Ses frères contrôlent. Elle n'a pas vu ses frères depuis des années. Et ceux-là reviennent après le corona qu'ils auraient pu choper et mourir là où ils sont. Mais attendez, vous voulez refuser? Si c'était simplement pour aller manger, il aurait fallu que son mari essaye de négocier. Le couple, les décisions dans le couple se prennent à deux. Ce n'est pas la dictature. Loin de ce qu'on nous dit ici tous les jours, ce n'est pas la dictature. Si vous avez décidé de prendre femme, elle devient votre complément. Ça veut dire que vous ne pouvez pas manger la sauce d'arachide sans le manioc ou bien sans le riz. Il vous faudra du riz, du manioc et la sauce. Donc, pour prendre une décision, vous prenez la décision avec votre femme. Épouser une femme ne fait pas d'elle votre sujet. Que vous allez décider que, bon, aujourd'hui, madame, vous me rasez vos cheveux. Je ne discute pas. Et elle va simplement aller raser parce que mon cher Marie-Charles Armel
a décidé que je me rase. Non, monsieur. Là, je vais vous ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas comme ça. Je suis désolée. Donc, cet homme, il devrait faire preuve d'un peu plus de respect, d'un peu plus. Je comprends pas. Je comprends pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Je vais vous expliquer. Je comprends pas comment je dis, je vais demander à mon épouse de ne pas aller à une fête. Non, non, votre femme ne va pas à une fête. Votre femme va chez ses parents. Vous voulez dire quoi? Mais vous avez quand même la carte des mouvements qu'elle va effectuer. Aller elle à vous Kimi, l'a dit dans avec une ses boîte frères. De nuit, oui. Aller de l'autre côté dans une boîte de nuit. Oui. Et bien, vous êtes conscient de ce qui peut se passer là-bas. Qu'est-ce qui va se vous passer? N'avez pas le droit. C'est justement parce que vous, là, vous avez l'impression que toutes les mauvaises choses, les conneries que vous faites dehors, les femmes le font également. Non, monsieur. Ce n'est pas parce que lorsque vous arrivez dans une boîte, non, vous dédouanez les filles tout ce matin. Que, non, sincèrement. Tout ce qui a une jupe passe devant vous, vous perdez vos moyens. Vous arrêtez de réfléchir avec votre cervelle pour utiliser autre chose. Vous pensez que les femmes fonctionnent comme ça? À l'inverse, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. D'accord. Prenons l'avis de Charles Lamet sur la question ce matin, sur l'histoire de ce matin. Et c'est vrai c'est votre jour, Charles Lamet. C'est un jour de fête. Donc, mettez-vous dans l'esprit de la fête. Pas de colère pour le moment. Ce sera dans un instant. Mais justement, comment une femme peut dire à son mari, si j'y vais pas? D'ailleurs, une décision. C'est le mari qui a dit que si elle y va, si elle va chez ses parents, qu'elle ne revient plus. Oui. Mais elle veut quand même. Donc, il lui demande de choisir entre sa famille et lui. Est-ce qu'elle ne peut pas, justement, cette femme, Charles Lamet, au moins tout faire pour écouter son mari et conserver son foyer? C'est lui qui veut quelque Monsieur chose. Monsieur Michel Ngatou, comment est-ce qu'on arrive lorsqu'on est marié aussi avec sa femme? Comment? On fait comment? Comment est-ce qu'on arrive aussi si tu pars par conséquent? Bon. On dit quoi? Pas Madame, vous pas, ne bougez pas. Pas et tu veux là. Madame, vous ne bougez pas. C'est terminé. Les femmes comme ça n'existent pas. Ah, j'en ai quatre. Elles regardent. Il y a même deux qui ne sortiront pas ce soir. Ah oui, elles sortiront. Voilà. Elles regardent. Vous allez gérer le retour. Non, Monsieur Michel Gatou, il faut savoir parler avec autorité à sa femme. Ce qui fait un mariage, c'est l'autorité de l'homme. Quand un homme n'a pas d'autorité devant sa femme, franchement, il n'est pas différent d'une feuille de papier. La femme, avant de dire quelque chose à son mari, doit réfléchir dans sa cuisine 50 fois. Elle doit analyser les angles, multiplier par les cosinus, les sinus. Si je sors ça, il peut me sortir ça. Non, mauvais choix. Je peux ressortir comme ça, il va contourner comme ça, mauvais choix. Jusqu'à trouver l'angle. Et quand ça passe, le mari dit yes, elle a eu. C'est ça. Multiplie. Donc, vous voyez une femme qui décide d'affronter son mari. La femme est censée s'abreuver sur les lèvres de son mari. Vous savez, il y a des femmes qui sont mariées physiquement, mais mentalement, elles sont célibataires. Je dis, il y a des femmes qui sont mariées. Physiquement, elle est là. J'ai une femme. Madame. Mais mentalement, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, son esprit est dehors. Elle veut courir, découvrir les plaines. Vous avez des femmes, elle a 30 ans, 10 ans de mariage, 3 années de mariage, mais dans sa tête, c'est autre chose. Elle ne sait pas prendre en compte les réalités de son mariage. La femme va épouser qui? La famille de l'homme. C'est sa nouvelle famille. Si l'homme décide que, madame, on s'en va, vous savez que les frères qui viennent de Mbengla, dans ce collectif de détente, il peut y avoir un blanc qu'on a infiltré dedans. En fait, c'est ça. Il peut y avoir un blanc qu'on a infiltré dedans. On va à Kribi, vous pensez qu'ils sont sur la plage. Il y a un prêtre qu'on a choisi pour faire un mariage. Vous ne savez pas, donc, monsieur Michel Gatou. Il faut avoir un coup d'avance sur la femme. Ouais. Un coup d'avance. Et je suis d'accord que cet homme s'oppose à cela. Vous avez des femmes qui, lorsqu'elles boivent, consomment de l'alcool, sont extrêmement vulnérables. Il y a des femmes qu'on rencontre, surtout le 8 mars, dès qu'elle a bu 2, 3, elles se font violer. Mmh. Elles rentrent de pas, viennent pas dire à leur mari. Vous sortez même parfois avec vos frères. Si vos frères attrapent 2 ou 3 copines ou 2 petites, ils disparaissent. Est-ce qu'ils seront là pour dire à la sœur que viens t'asseoir, tu dors devant la porte pendant qu'on avait les copines, ils vont abandonner la sœur. Soit dire à la sœur, débrouille-toi pour rentrer. Ça, c'est la réalité qu'on connaît. Il y a des femmes qui, lorsqu'elles ont bu, laissent exprimer M. Michel Gatou leur fantasme. Vous les voyez parfois en boîte de nuit. Là, vous riez, Dominique Audrey, pourtant vous savez que c'est la réalité. Il y a ceux qui laissent exprimer leur fantasme. Mais ça devient. M. Michel Gatou, on a vu des choses. Vous savez, c'est lorsqu'elle a bu qu'elle vous lave. Elle sort tous les dossiers de votre foyer dehors, M. Michel Gatou. On dit que non, maman, comme tu as bu les faucons, je rentre chez qui?
Le salopin là, vous voyez des femmes? On a vu des femmes même qui arrivent au portail et toquent. Ouvre ça, salopin! Ouvre la porte parce qu'elle est sous. Oui, non, c'est des femmes et l'homme connaît sa femme. Frustré. Donc, non, pas frustré, non, pas frustré. Il y a des femmes comme ça. Lorsqu'elle l'a bu, elle est agressive. Elle, personne ne dort. Le jour, la personne ne dort. Soit elle arrive et dit à l'homme que cette nuit, tu vas me violer. On a vu des hommes qui sortent des maisons en fuyant. Donc, peut-être l'homme connaît sa femme, M. Michel Gatchou. Il se refuse à cela. Et il met des gardes. Oui. Vous avez des femmes, lorsqu'elles arrivent, elles commencent avec l'alcool, elles n'ont pas de frein. L'homme a bien envie de dire, madame, écoute, c'est ton dernier verre, tu ne consommes plus. Être avec la famille, pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas posé la question de savoir les deux premières fois on a respecté pour qu'on casse cette fois-ci? Quelle est l'information dont on va discuter dans la famille de mon mari aujourd'hui? Ça peut être une information sur le terrain, ça peut être une information sur le suivi, l'organisation des funérailles, les projections de 2021. On va se retrouver, il faut bien qu'on y aille. Donc la femme, elle est plutôt poussée par des pulsions, et les pulsions finissent toujours par détruire et détourner l'orientation du ménage. C'est bien évidemment un appel à l'encadrement permanent des foyers, Mohamed Mengan Kanje. On sait également que nous sommes à le 31 décembre et demain sera le 1er, c'est un jour de fête pour beaucoup, étant donné que l'histoire s'y avec la circonstance. Il est important également de rappeler plusieurs femmes qui nous regardent ce matin à l'autre, mais surtout d'inviter les hommes à être plus regardants ou pas. Et à sortir leur femme. Justement, vous avez utilisé le mot juste encadrement. Il ne s'agit pas d'être dictateur. On n'est pas dictateur. Il n'y a pas de dictature dans le foyer bantou, contrairement à ce qu'on parle. Parce que les femmes qui commandent tout. Hein. Il suffit simplement d'observer les règles du mariage. Oyengele a épousé Bengan. Elle devient Madame Bengan. Bon, elle est bien. Elle va même danser en disant, parler encore, en montrant le bas. Et elle accepte de manière, j'allais dire consensuel, à changer le nom. Quand vous changez le nom, vous changez votre identité. Vous êtes donc sous l'autorité, mais pas sous la dictature. Parce qu'en réalité, on dit toujours la femme chez qui j'habite. Mais l'homme protège. C'est pour ça qu'il y a des règles qu'on ne doit pas bafouer. C'est l'homme qui doit veiller à ce que, est-ce que les portes sont fermées. Ce n'est pas la femme qui ferme la porte. C'est pour la sécurité de la maison. Donc il est hors de question que l'homme soit dehors et madame ferme. Ce n'est pas possible, ce n'est pas des choses qu'on admet, on ne faut pas admettre ça. Est-ce que Charles Amel parle d'autorité, la famille? Donc dans l'autorité, là, la femme doit savoir que ma protection, c'est quand mon mari est là. Voilà. Ici, le gars dit même que non, j'étais toujours pris quand tu as un verre de plus, quand tu as, cette fois je ne veux pas que cela arrive. Alors, donc, en fait, il n'y a même pas de dictature. Parce que, contrairement à ce qu'on dit, les Bantous n'ont jamais été dictateurs. Jamais. C'est la complémentarité. Même quand je veux taper ma femme, quand elle m'arrive, elle va dans la cuisine, je ne vais pas la faire. Pourquoi? Je ne vais pas. Tu ne peux pas suivre ta femme dans sa cuisine. Tu vas faire quoi là-bas? Faites jamais l'erreur que vous fassiez avec votre femme. Elle entre dans la cuisine, vous la suivez. Non, jamais. Vous n'y allez là où il y a tous les pilons, les mortiers, les couteaux, les fourchettes. Donc, et là, même si elle vous poignarde, c'est vous qui avez tort. Oui. C'est vous qui avez tort. Voilà les règles qu'il faut suivre. Donc ici, l'homme, il connaît tout ce qui se passe en ce jour-ci. Et il dit, il veut protéger sa femme en lui rappelant les écarts de comportement qu'elle a eu par le passé, et surtout avec les deux. Mais regardez la réponse de la femme. Quand je suis avec tes frères, je ne sais pas. Je m'ennuie. Puisqu'ils sont entre eux. Ils se connaissent. C'est justement parce qu'ils se connaissent qu'elle doit donc maintenant intégrer qu'elle est la femme de dedans. Elle n'est pas la femme de dehors. Parce qu'elle se comporte comme si elle était la femme de dehors. C'est lui qui lui avait donné l'opportunité. Non, mais justement, parce que quand il aime la femme, il dit, bon, tu aimes souvent bon, on va. Mais quand il a vu les conséquences de l'alcool sur sa femme, il disait que sa femme risque de perdre sa dignité de sa femme et du couple. À ce moment, il dit, madame le papa. Et c'est là, à ce moment donc, que les Bantous aiment souvent sortir la phrase fétiche. Les ordres, les instructions du monsieur s'exécutent sans hésitation ni murmure. Voilà. Mais ce n'est pas de la dictature, c'est la protection de la femme. Elle est avec ses. Est-ce qu'elles ont compris justement cette assertion ce matin? Est-ce que les femmes qui nous regardent ce matin ont compris? Mais surtout, est-ce que nos frères, les hommes comme nous, ont le sens quand même de l'encadrement de cette journée?
Madame, monsieur, merci de rester des nôtres. Vous le savez, c'est un moment important pour la nation camerounaise. Pour ce 31 décembre, beaucoup voudraient bien vider les contentieux, mais surtout passer à une nouvelle année avec un esprit nouveau. Mais qu'est-ce qu'on va justement garder de l'année 2020? La colère de Charles Lamet dans un instant. Permettez-moi de vous dire, très colère. Je m'interroge ce jour sur la question des promesses non tenues du chef de l'État et du bilan de l'année qui vient de s'écouler. Comme de tradition, notre chef de l'État va s'adresser au peuple camerounais à partir de 20h à la faveur d'un discours qui sera diffusé sur les antennes de l'Office national de radio et télévision. Il va non seulement présenter ses vœux à son auditoire, mais aussi faire le bilan de l'année qui s'achève avant d'évoquer les défis et les perspectives d'avenir. Quels ont été les défis de 2020 ou pour 2020? Quelles ont été les perspectives? Les a-t-on atteints? Telle peut être la question. Outre le grand dialogue national, outre les législatives et les municipales, outre les régionales, parce que ça, on va parler du fer de lance et d'une mission hautement remplie avec la tsunamine qu'on a mis en jeu, avec plusieurs décrets d'application qui sont rentrés. Lors de la prestation de serment de notre illustre président, lors de son accession à la magistrature suprême en 2018, il avait déclaré qu'il s'engageait personnellement à mettre à la disposition des Camerounais un approvisionnement suffisant en électricité et en eau potable, préalable indispensable pour assurer des conditions de vie et de santé acceptables. Il les a renouvelées en 2019 en disant qu'il va axer l'ensemble des charges sur les besoins vitaux, la lutte et la réduction de la pauvreté dans ce pays. En 2020, 31 décembre, peut-on dire que le Camerounais boit à sa soif? Il était allé jusqu'à nous dire et à préciser que l'habitat reste demain la priorité de ses actions, tout en précisant que le programme de construction de 10 000 logements sociaux sera réactivé en concertation avec le secteur privé et les autres partenaires nationaux et internationaux. Rendu à 2020, on a ajouté combien de logements sociaux, sinon que d'inaugurer, sinon que de remettre des clés aux footballeurs, sinon que de remettre aux malades de Covid certains appartements? Quelles ont été les avancées notoires? Point d'interrogation. Rappelons-nous que dans son allocution du 31 décembre 2019, le chef de l'État avait dressé le bilan de l'année écoulée. Il avait annoncé un Cameroun nouveau, un Cameroun adapté au temps présent, un Cameroun qui regardera vers l'avenir. À ce jour, où est ce nouveau Cameroun? Le grand dialogue national nous a ouvert la voie pour avancer résolument sur le chemin de la paix, de l'unité nationale et du progrès, valeurs qui ont toujours fait la grandeur de notre pays. Mais à ce jour, même ceux pour qui on avait organisé ce grand dialogue continuent à prétendre qu'ils sont des étrangers. On a proposé plusieurs résolutions, plusieurs analyses sur ces différents faits. Ils ont toujours trouvé qu'on donnait la chèvre et on tenait la corde. Il avait déclaré en 2019 que des preuves ont été apportées que le progrès social n'est pas un vain mot. Des avancées sont encore possibles. Où en sommes-nous? Un an plus tard, notre but reste d'éradiquer la pauvreté. Sachez en tout cas que les efforts qui ont été faits dans ce domaine seront poursuivis, amplifiés. Notre croissance a repris, l'inflation est maintenue, notre dette restera et reste soutenable. Hypothèse de croissance de 4%, ce qui nous permet de rester dans notre objectif d'émergence en 2035. Voilà ce qu'il avait dit, c'est certes haché, mais c'est des bibles de phrases qu'il avait employées. À ce jour, notre dette est à quel niveau? Quel effort a été fait jusque-là pour résorber ce problème? On parle de 10 000 milliards, on parle de 1 000 milliards, on emploie des expressions, mais jusque-là,
ni l'Institut national de la statistique, ni la planification, personne ne s'est prononcé sur cette question. Le conflit armé dramatique que le régime en place impose aux compatriotes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest perdure, et malgré l'évidence que nul ne pourra gagner cette guerre par les armes, même si on a implémenté à travers un décret le public indépendant conciliator qui à lui-même se retrouve encore être, comme on va dire, une sauce ou un cheveu dans une sauce, tout simplement. Comment va-t-on booster ce pays alors que sur le plan économique et social, le Cameroun vit l'arrêt des activités de nombreuses entreprises installées dans cette région ? Des milliers d'emplois détruits dans un pays miné par un chômage élevé, notamment parmi les jeunes. Des projets qui n'ont servi à rien à l'heure où on nous parle encore du plan triennal spécial. Essayons de nous livrer à une énumération des éléments illustratifs de la ruine économique et sociale de notre pays dans un régime caractérisé par une grande tolérance à la corruption aggravée par l'impunité, un manque d'anticipation, une tendance à subir les événements plutôt qu'à les influencer, une carence d'objectifs et d'indicateurs d'évaluation et de contrôle des performances, qu'il s'agisse des programmes économiques ou des entreprises publiques, il suffit de citer des cas récents. Il avait parlé de booster les entreprises avec des zones économiquement sinistrées. Il nous avait abordé la question du secteur énergétique qui devait connaître un boom. On a eu la déconfiture des entreprises publiques dont les pertes se chiffrent en centaines de milliards de nos francs CFA. La surévaluation des coûts des projets et le dépassement des délais dans la réalisation des infrastructures de toutes sortes, en l'occurrence les routes, les ponts, les barrages hydroélectriques. Un seul exemple. 7 ans après le démarrage du projet du barrage de Menvele, alors que le Camerounais attendait 230 MW de ce barrage qui a coûté 430 milliards de francs CFA, soit 3 fois le prix normal, on n'en reçoit, les Camerounais, que 80 MW. Le taux de pauvreté, qu'on dit avoir modérément reculé, affiche des résultats ou des scores scandaleux. Un sous-emploi de la main-d'œuvre tombant de 76% à 45% et un taux de pauvreté de 28,7% en 2020. Le Cameroun continue de présenter un risque élevé de surendettement selon les évaluations faites par le FMI. La paix tant prônée sera-t-elle retrouvée dans ce pays en 2020 par le chef de l'État qui avait rassuré à travers l'implémentation, les actions et le financement du DDR. 4 cas d'explosion à la bombe artisanale ayant fait plus d'une vingtaine de blessés graves cette année 2020, uniquement dans la capitale politique. Les exilés internes qui surabondent dans les villes de Douala, Consamba, Bafoussam, Yaoundé et bien d'autres agglomérations où les maisons d'accueil sont surpeuplées des fugitifs de la guerre. Le chapitre de la privation des libertés individuelles et du musellement de l'opposition pourrait inspirer les témoins de la confiscation du pouvoir. L'état d'avancement de l'autoroute Douala-Yaoundé, Yaoundé-Douala, la livraison de la section rase campagne de l'autoroute Yaoundé-Simalène dans les 4 prochains mois, alors que la livraison devait être faite depuis. Il aura fallu en 2020 200 milliards pour remplacer 409 buses, 44 milliards pour bitumer 9 km de route, 11,3 milliards pour fabriquer 11 dallos, 145 milliards perdus sur l'axe Yaoundé-Bafoussam, le gymnase multisport de Douala, 3000 forages du Nord Cameroun ont-ils été atteints? Ont-ils été réalisés? Telles étaient les promesses. Eau potable, 3000 forages au nord. J'espère au moins qu'on abordera ce soir l'ensemble des différents secteurs, parce qu'on avait parlé du tourisme qui devait voir, n'est-ce pas, ses lettres d'or revues, on devait le dire comme ça, qui devait recevoir une nouvelle touche. Le projet Douala Beach, l'usine de montage de voitures au Cameroun, la construction de la Ring Road, la baisse des prix des produits de première nécessité, l'usine de montage de voitures, l'agrobusiness au Cameroun, le secteur manufacturé, compétitif et diversifié, capable d'inverser la structure du commerce extérieur, l'accès des PME au financement, booster le développement des services aux industries, construction du stade, la construction d'usines de fabrication des consommables des hôpitaux, après transformation de 40% du coton camerounais, 1 milliard dans l'eau. Il avait conclu en disant « Débattons, ne nous battons pas. Faisons confiance aux lois et aux institutions. Ce n'est ni les réseaux sociaux, ni une certaine presse qui fera changer la volonté du peuple. Mais le peuple, à ce jour, se rend compte
qu'en dehors d'avoir dit, en dehors d'avoir créé, rien ne bouge. Ni au niveau des communes, rien ne bouge. Ni au niveau des robinets, rien ne coule. Ni au niveau de l'énergie, on continue à subir les délestages. Finalement, qui croira-t-on dans cette affaire? Le peuple qui estime avoir été floué ou ceux qui estiment avoir donné des bonnes choses à ce peuple? Avec quelle oreille les Camerounais écouteront-ils le discours du chef de l'État ce soir? Lorsque Charlamagne Battu revient relater ici les promesses qu'il a faites il y a un an déjà, avez-vous ou avons-nous le sentiment en tant que Camerounais que les promesses faites par le chef de l'État en fin d'année dernière ont été effectivement faites au courant de l'année 2020? Comment les Camerounais pourront-ils aujourd'hui faire entendre leur voix et demander des comptes au chef de l'État dont, disent-ils, 71% des Camerounais l'auront élu aujourd'hui à la magistrature suprême? C'est des questions aussi importantes qui nous donnent et qui vous donnent, vous aussi, d'apprécier le bilan annuel du chef de l'État, le bilan du gouvernement camerounais et nous demander si, effectivement, nous devons toujours lui faire confiance, si nous devons toujours porter sur lui notre confiance. Déjà, pour beaucoup, depuis 38 ans, il n'y a pas de confiance. Madame, monsieur, bienvenue à vous. Si à l'instant vous nous retrouvez, n'oubliez pas, laissez-nous vos réactions, vos propositions, mais surtout vos nombreux commentaires sur les plateformes bien connues. Donc, nous vous attendons et nous vous lirons tout à l'heure. Faire tant de promesses, Mbombom Bengane, est-ce qu'on va dire qu'à la fin de ce discours de ce soir, on pourrait trouver comme élément d'excuse au Covid-19? Je ne sais pas. Est-ce que faudrait-il penser que le chef de l'État va dire qu'il va finalement réhabiliter l'Institut national de médical et de recherche des plantes médicinales? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Mais il avait dit le 19 mai qu'il compte sur le gouvernement pour être créatif, ingénieux et inventif. D'abord pour l'amélioration de notre cadre sanitaire, Covid-19 existe, mais qu'on n'allait pas oublier qu'il y ait que les autres pathologies causaient autant, sinon plus de dégâts encore. Mais et c'est vous qui nous avez rappelé dernièrement qu'apparemment, les malades, vous appelez ici l'insuffisance rénale, apparemment on en a perdu beaucoup. Et même le cafouillage qui a entouré le Covid, on a perdu déjà et on a même à un moment donné enlevé ou alors condamné ou même tué pratiquement notre organisation sociétale. Mm-hmm. Voilà, et pourtant les médecins nous disent, moi j'ai une seule chose, le chef de l'État, en fait c'est nous qui ne voulons pas le comprendre. Comment le comprendre? Le comprendre, ça veut dire qu'il nous dit toujours que de toutes les manières, c'est moi qui ai le calendrier et je vais vous donner le calendrier quand je voudrai. Donc, il faut comprendre ça comme ça. Nous avons validé. Voilà, et nous faisons comme si il promettait. Il ne promet rien. Il ne promet rien. Même lorsqu'il parle de ces jours, il y a toujours un si, mais on ne fait pas l'histoire avec les si. Regardez un peu en 2018, quand il était à Marois. Pour le discours, les gens ont dit que la promesse n'avait rien promis. Il avait dit à Marois que il semble que vous avez des terres qui peuvent produire, qui peuvent nous servir de produire, de faire l'agriculture. Je pourrais même voir dans quelle mesure on pourrait prolonger la voie ferrée de Ngaoundéré à N'Djamena. Même des barrages, il semble qu'on peut faire des barrages hydroélectriques. Mais vous vous dites que la promesse n'a rien promis. C'est la même chose qu'il a fait le 19 mai dernier. Il a dit, bon, je compte pas que le gouvernement saura trouver des solutions. On va nous maintenir dans une situation telle qu'il n'y aura pas d'inflation. Il va pas, c'est tout. Il n'a rien promis. Après le grand dialogue national, il a dit, bon, vous avez pris des résolutions, j'ai vu. Je vais les appliquer au gré des moyens que j'aurai. Le même calendrier. Donc, en fait, chaque fois, il nous dit toujours que de toutes les manières, je vous comprends. Mais je vais faire ce que je voudrais au moment où je voudrais, avec les moyens que je mettrai à cette disposition de cela. Donc, et même dans ce discours, il dit, Fonds de solidarité nationale, j'ai mis 1 milliard. Et il ne dit pas plus. C'est le président de la République, Paul Biya, qui a mis.
C'est le fond de la présidence de la République. C'est le fond de l'État, qu'ils ont vidé de l'État. Vous savez, il ne dit rien. Il n'est jamais assez clair dans ses propositions. Il dit dans son discours, débattons et ne nous battons pas. Non, ne combattons pas. Ne combattons pas. Et débattons. Mais battons. Avec qui a-t-il débattu au courant de l'année? Non, il a refusé. Il a refusé. D'abord, il va faire, j'allais dire, un discours de glorification, parce que le pan qui existe, qui restait encore, le régional, entre les conseillers municipaux et le Sénat, il va vous dire, nous, notre démocratie, nous l'avons consolidée en mettant en place les conseils régionaux. Mais moi, je vais lui dire, mais à quand alors le Conseil supérieur de la Haute Cour de justice. Voilà. La Haute Cour. Mais comme il dit, donc, il ne promet rien, il dit, dans la Constitution, je vais mettre les institutions progressivement. Bon, vous savez que chaque fois, c'est lui qui a le calendrier. Il vous dit, ne me demandez jamais le calendrier. Donc, posez jamais la question de savoir quand est-ce que je vais faire ci ou ça. Donc, si on comprend ça de cette manière-là, je pense qu'on peut organiser la lutte d'une autre manière, les revendications qu'on pourrait formuler à son égard. Mais ne pensons pas qu'il va dire que l'année qui vient, non, il ne veut pas. Il met toujours un si à côté pour un peu se dédouaner. C'est pour ça que je lui rappelais les questions qu'il avait posées en 84. Pourquoi sommes-nous Camerounais? Qu'est-ce qui nous rend fiers de l'être? Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Et même en 90, juin 90, quand les Lions indomptables, après leur honoreuse prestation Coupe du Monde 90, devant Yves Morosi, il terminait un discours en disant « Je voudrais qu'on retienne de moi l'homme qui a porté l'appel à la prospérité dans le pays. » Donc, il faut de temps en temps lui rappeler cela. Et la démocratie. On l'a sur les suivants, voilà. La radio Monte Carlo. Donc, il va nous dire « Les fauteurs de troubles qui ont voulu que les élections régionales ne se tiennent pas, d'abord, je les ai montré ce qu'ils ont vu. » On a justement traversé une année où, du point de vue économique, sanitaire, sécuritaire, les données étaient extrêmement compliquées. Est-ce que le discours qui sera rendu ce soir sera un discours de nature à croire aux propos, aux mots et surtout aux idées que nous renverra le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, aujourd'hui? Les Camerounais prendront-ils la peine d'écouter ce discours avec les deux oreilles, mais surtout d'analyser les tournures linguistiques qui pourront en sortir au final? Qu'est-ce que l'on peut en retenir? On va continuer, bien évidemment, madame, monsieur, à faire le bilan avec vous sur cette antenne. On vous le dira peut-être pas assez. Laissez-nous vos commentaires. Faites-nous lire votre bilan de Camerounais sur les plateformes bien connues. Karine Sontia, Dominique Audrey, Bambam Bengan et Charles Hamel. Ensemble, nous allons ensemble, bien évidemment, les décrypter sur ce plateau ce matin pour un jour, dit-on, exceptionnel. Reparlons-nous juste après la pause. Encore pour dire à Charles Hamel battu sur le plateau, joyeux anniversaire, tout en entendant le téléspectateur qui viendra lui offrir le gâteau ici en direct. Voilà. Ouais, je l'ai dit. Non, j'attends, on attend la fin de l'émission, le téléspectateur qui viendra offrir un gâteau à Charles Hamel battu ici. Parce qu'en réalité, c'est ton jour, mon frère. Oui, c'est ton jour. Il faut en profiter. Nous sommes des Bantous, monsieur. Non, laissez. Le gâteau, ce n'est pas forcément un gâteau. Hein. Le mel et pistache, voilà, peut-être. Voilà. Le coquille, hein, c'est un. Voilà, voilà, c'est du jus des mains, non? C'est voilà, un gâteau. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Gâteau, quand vous venez, c'est ça. Voilà. Et nous parlons encore du bilan de l'année. Le chef de l'État, en 2019, effectivement, avait fait un bilan. Et comment dire, a fait un bilan de l'année 2019 et avait fait des promesses pour 2020. Vous, Camerounais, avez-vous le sentiment que le chef de l'État a honoré ses engagements pour l'année 2020? Qu'en dites-vous effectivement? Comment vous appréciez les réalités qui ont émaillé au courant de l'année? Avec vous également, Dominique Audrey, Charles Hamel, Karine Sontien-Bombok, nous vous redonnons la parole. Karine, bilan 2020, à quoi s'attendre ce soir du discours du chef de l'État? Bon, je pense que côté social, on va revenir sur les mêmes, hein, Charles Hamel. Donc, on est en train de continuer dans le sillage de la lutte contre la pauvreté.
au Cameroun. Et la pauvreté aussi, c'est la sous-alimentation ou alors la mauvaise alimentation. Lorsque le président de la République en a parlé le 31 décembre 2019, le but était d'améliorer les conditions de vie des citoyens avec une allocation budgétaire qui était très importante selon lui. Et cette allocation budgétaire-là était de 91% pour lutter contre améliorer les conditions de vie des citoyens, autant pour moi. Vous retrouvez votre latin, c'est normal. Hein? C'est la fin misère. D'année. Un peu de fatigue. Sauf que lorsque vous interrogez tout cela, vous comprenez bien que le ministère, que dans ce cadre-là, il y a un budget qui était de 91 milliards de francs CFA pour le ministère de l'Agriculture, ça c'était pour 2020, oui. Et un budget de 6,786 milliards de francs CFA pour le ministère du Commerce. Et quand vous rentrez dans les projets réalisés par le ministère de l'Agriculture, vous vous rendez compte qu'il y a le relancement de la filière café-cacao à travers... à travers le PAF, je pense que mais c'est est-ce ça. Est-ce que ça fait partie de ses promesses? On est dans son discours. Il a parlé de l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Et est-ce est-ce que les citoyens camerounais peuvent dire aujourd'hui, en 2020, que les conditions de vie des Camerounais sont améliorées? Pour dire qu'ils ne peuvent pas dire, il faut que je vous donne quelques indices. D'accord, nous vous écoutons quand même. Voilà. C'est pour ça que je disais tantôt qu'il y a les projets comme le projet de la relance des filières cacao-café à travers le PAD cacao et le PAF café avec le Minader et le FODEC. Il y a aussi que dans ce projet-là, ce qui a été fait en fait particulièrement, c'est la nomination des coordonnateurs nationaux. Maintenant, on attend de voir ce que ça a donné. Voilà, la fin d'année 2020, on attend de voir ce que le ministère de l'Agriculture a fait. On a aussi eu le renforcement de la résilience agricole à travers et du développement rural. Et pour cela, le ministère de l'Agriculture a effectué des dons en semences des produits agricoles en avril dernier. Maintenant, on attend voir, lorsqu'on parle de résilience agricole, il s'agit juste de distribuer et puis de sortir. Là, ça va permettre aux gens d'avoir des productions agricoles vraiment fructueuses. Est-ce que les Camerounais, à travers la distribution en avril, on sait qu'en avril, on peut faire par exemple l'agriculture du maïs, si je ne me trompe pas, Dominique Audrey. Mm-hmm. Et après, maintenant, il faudra qu'on sache si les récoltes ont vraiment été fructueuses et qu'aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture puisse nous dire que, en fait, ce projet-là particulièrement a porté des fruits et voilà ce que ça a donné. Il n'y a pas que ce secteur, parce qu'il y a ce secteur très névralgique, avec votre permission, mm-hmm. je vous en prie, Karim. Il y a surtout un secteur névralgique d'une promesse que le chef de l'État a fait quand même sur l'électrification du Cameroun. Oui. C'est un secteur important parce qu'en réalité, pour qu'on puisse avoir des industries, il faut que l'on résolve le problème de l'électricité. En effet. En 2020, donc, est-ce que Paul Kagame peut nous dire, en toute humilité, on le dit en tant que Camerounais, c'est le président de la République, est-ce qu'il peut dire aux Camerounais que j'ai honoré mes engagements parce que, pour dire vrai, rien n'était fait quand même. Ça aussi, ça fait partie des conditions de vie. Les Camerounais vivent au quotidien sans eau potable. Voilà. Les Camerounais vivent au quotidien sans électricité. Vous n'avez qu'à voir les rares fois où l'entreprise qui nous distribue de l'eau ou de l'électricité fait des communiqués pour nous annoncer les jours de coupure. Sauf que parfois, quand on vous dit qu'on va couper l'électricité pour 3 jours ou encore pour samedi et dimanche, on arrive jusqu'à mardi et personne n'explique pourquoi est-ce qu'on a encore coupé l'électricité lundi et mardi. Pourtant, on avait prévu juste samedi et dimanche. Donc, on n'arrive pas à vivre avec de l'électricité au quotidien. On n'arrive pas à avoir de l'eau au quotidien. Pourtant, cela fait partie des conditions de dans vie. Dans la globalité, les Camerounais peuvent-ils se dire qu'on a encore été floués en 2020? On a été floués. Maintenant, le gouvernement pourra s'attarder sur la crise contre la COVID-19 qui a quand même été une surprise et à laquelle un phénomène auquel ils on ne s'attendait pas. Ils pourraient s'appuyer pour dire que la plupart des fonds alloués à des budgets ont été ou encore relégués ou encore ont été réorientés vers la lutte contre la COVID-19. C'est pourquoi vous voyez qu'un certain nombre d'objectifs n'ont pas été atteints. Très bien. Alors, on a également une année où on s'est rendu compte, Dominique Audrey, que le chef de l'État et son gouvernement ont brillé par les arrestations arbitraires. On pense par exemple à ces Camerounais qui ont choisi le 22 septembre dernier de marcher
pacifiquement pour pouvoir dire leur indignation quant au code électoral et à la cessation de la crise anglophone. Oui. Aujourd'hui, beaucoup ont été embastillés. Au moment où on vous parle, encore plus de 150 Camerounais se retrouvent dans les prisons camerounaises. Est-ce que Paul Biya est au courant de ce que, en ce qui concerne les libertés que lui-même il a engagées, en 2020, il a brillé encore par une dictature sauvage comme ça a été le cas. Et barbare. Mais rassurez-vous, ce soir, certainement, il dira que dans sa grande magnanimité, il a fait la grâce présidentielle. Il va certainement demander qu'on les libère. On ne fait la grâce qu'à ceux qui ont demandé, hein, il faut préciser. Ah bon? Ouais. Non, non, c'est son ressort. C'est lui qui décide que, bon... On peut arrêter la grâce si on a condamné, l'arrêt des poursuites. Aussi, voilà. Voilà. Il y en a qui... parfois, on vous demande de faire une demande... Tout à fait. Oui, vous pouvez également, voilà. Vous pouvez le faire. Donc certainement, il va les libérer. Mais dites-vous bien que lorsque vous relisez bien le discours et notamment la fin, entre les lignes, vous comprenez que lui également, il sait de quoi il en retourne. Lorsqu'il s'est adressé à la diaspora sur laquelle, entre autres, on est censé compter pour pouvoir atteindre l'émergence à lui, par lui prôner en 2035, il est plutôt dans un combat en leur disant, même si vous n'êtes plus Camerounais, faites quand même preuve de patriotisme. Moi, je suis allée plus loin que ses promesses. Je suis allée au niveau de ses projets pour son septennat pour 2025. Et entre autres, il parle de l'amélioration des conditions de vie, des conditions de travail, notamment que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Mais aujourd'hui, tout au long de l'année, on a entendu les récriminations des enseignants qui ont besoin de salaires... qui ressemble à quelque chose par rapport à ce qu'ils font comme un travail, parce que c'est eux qui font la base du Cameroun qui pourrait, entre guillemets, être émergent en 2035. Mais aujourd'hui, non. Combien d'enseignants ont été arrêtés cette année, notamment l'enseignant, parce qu'il a dit Camto. Il y a l'enfant de Kila qui allait se plaindre et après on a puni. Dans un établissement. Oui. Ouais. Combien d'enseignants ont été chicotés par les parents d'élèves pendant l'année? Rien n'a été fait. Quelles sont les conditions? Ici, M. Mbatchou nous a ramené une colère qui parlait du paquet minimum qui n'était pas véritablement remis aux établissements pour être mis à la disposition des enseignants pour pouvoir enseigner. Aujourd'hui, on rencontre, malgré la modicité de leur salaire, des enseignants qui donnent du leur, du peu qu'ils ont, pour pouvoir dispenser le savoir aux élèves. À côté de ça, il y a eu également... il a parlé de l'industrialisation du pays. Il n'y a pas moyen qu'en 7 ans, ça se fasse. Aujourd'hui, on est en 2021. Il reste sensiblement 4 ans. Est-ce que d'ici 4 ans, tous les projets de barrage pourront être terminés? Parce que l'Ampangar, c'était 2012-2015, si je ne me trompe. Et aujourd'hui, on est en 2021 déjà et rien n'a été fait. Il a annoncé pour son mandat, pour les années à venir, on se serait attendu que ce soit rapidement fait, la disposition de plaques solaires au niveau des zones rurales. Énergie renouvelable. Voilà. Dans mon village, peut-être pas dans votre village, mais dans la Dizangue. Peut-être que votre village n'est pas une zone rurale. N'est-ce pas? À Dizangue, il n'y en a pas. À Mbalmayo, toujours à Aidé, là-bas, il n'y en a pas. Dans nos villes même, il n'y en a pas. Il n'y a pas. Où sont donc les plaques solaires? On se pose bien la question. Peut-être ça va venir l'année prochaine, qui sait. Au-delà de cette question de Dominique Audrey, on le sait, ce soir, le chef de l'État fera un bilan dans sa globalité, mais surtout aussi un bilan économique. On sait que le JICAM, il y a quelque temps, le JICAM a fait des propositions au Cameroun afin de sortir justement de son marasme très ambiant économiquement parlant aujourd'hui. Est-ce que le chef de l'État au moins a pris sur lui le risque d'écouter le patronat camerounais et de pouvoir collecter les problèmes du patronat camerounais pour pouvoir en faire un bilan annuel de l'évolution du progrès ou pas de l'économie camerounaise aujourd'hui? Qu'est-ce qui aurait bien pu empêcher Paul Biya, notre président de la République, à ne pas s'accorder, s'entendre, parler avec le patronat pour nous donner quelque chose de sérieux ce soir? Parce que là, on va le tailler justement sur chaque mot quand même qu'il va évoquer ce soir. Hein. Michel, le patronat n'a rien à lui dire, je me mets à sa place. Ça veut dire quoi? Le patronat n'a rien à me dire.
Je suis d'accord avec Bombo quand il dit que c'est lui qui décide de tout. Et ça se dit même à l'église. Pour ceux qui vont chez les catholiques, on dit généralement, le temps de Dieu est le meilleur. Il ne vous a pas été donné de connaître, il y a un mot là, en ce qui concerne Dieu, c'est lui qui sait à quel moment il fait quelque chose et à quel moment il ne fait pas. Donc attendez, on vous a dit un siècle pour Dieu représente... Un jour. Et un jour pour vous... représenter un siècle. Merci de patienter. N'est-ce pas? Oui, quand il aura décidé. Pendant que nous patientons. Quand Dieu aura décidé. Pendant que nous patientons. C'est tout. Il y en a qui meurent. Il nous a annoncé la promotion de la femme dans la société. Voilà les régionales qui sont passées. Où sont les femmes? Où est la promotion de la femme à ce niveau? Nulle part. On a demandé, s'il vous plaît. Nulle part. S'il vous plaît, on a demandé aux femmes de ne pas manifester. Le meilleur arrive. Oui, mais dix gouverneurs des régions, il fallait au moins trois femmes. Non, puisque dans manifestation, il y a aussi participation. C'est une manifestation, on a dit que on parle de parité, on parle d'équilibre, non? Il faut au moins 5 femmes. Voilà, donc, alors, le bilan, vraiment... C'est un bilan qui est très compliqué, Charles Lamel. Et puis, nous le faisons à notre niveau sur ce plateau, parce que les Camerounais peuvent mieux comprendre également ce qu'il faut retenir ce bilan. Mais moi, je vous pose la question, trivialement et personnellement, M. Mbatiou, est-ce qu'on peut s'attendre à grandes choses ce soir du discours du chef de l'État en réalité quant à ce que vous avez exposé dans votre colère de l'année 2020 qui n'a pas connu justement son exécution réelle? Oui, oui, monsieur Michel Ngatchou, on va attendre justement un grand discours, le discours qui va porter sur la tenue des régionales, du comment est-ce que c'est déroulé, l'implication de la chefferie traditionnelle au sein, n'est-ce pas, de ces régionales. On va aborder la question des élus, des nouveaux partis qui ont fait leur entrée. Monsieur Michel Ngatchou, félicitations à ces partis qui ont fait l'entrée, à ces jeunes leaders qui ont pu trouver une place à l'hémicycle. On va aborder ces différents sujets. Ça, c'est important. Et revenir sur la pandémie, monsieur Michel Ngatchou, à Corona, en précisant qu'il faut maintenir les barrières. Il va revenir sur la question de la cohésion gouvernementale, ah oui, parce qu'au sorti du cabinet ministériel ce matin, de cette réunion, M. Michel, on a dit que les membres du gouvernement ne facilitent pas la cohésion, le travail. Oui. Donc il va revenir sur ça, il va renforcer encore le pouvoir du Premier ministre, il va revenir sur ça, M. Michel. Cohésion gouvernementale. Il va revenir est-ce là-dessus. Que est-ce que le Premier ministre a écouté dans ce pays? Il va annoncer, M. Michel Ngatchou, la chaîne, les grands enjeux, la chaîne qui va se dérouler dans quelques jours. Il va demander à tous les Camerounais d'aller au stade, d'accompagner. Des infrastructures ont été mises sur pied, des stades. Et d'ailleurs, personnellement, il va inaugurer en début d'année l'un des stades, un joyau culturel. Il va revenir sur ça, M. Michel Ngatchou, en occultant deux choses. En occultant que le climat social, M. Michel Ngatchou, est extrêmement délétère. Il va omettre de préciser que 2020 aura été une année de trop de mouvements d'humeur. Nous pouvons citer le centre Agousse. À peine on avait lancé, M. Michel Ngatchou, les opérations par rapport à la pandémie, que le centre d'opération des urgences qui avait été mis à Yaoundé, les jeunes ont commencé à gréver réclamant les 25 000 francs qui étaient censés leur être payés chaque jour. Ça avait fait un boom. On est passé dessus. Toujours pas payé. On a eu, M. Michel Ngatchou, des expropriations. Le Cameroun a vibré en 2020 au rythme des expropriations. On a arraché la terre de bon nombre de Camerounais. C'est passé dans les différents médias où des femmes allaient s'asseoir, des familles tout entières pleuraient. Avec cette affaire de drain, on a cassé des maisons qu'on ne devrait même pas casser, que ce soit Bepanda, Bonaloka, partout. On a cassé Bobongo, on a cassé des maisons au nom des inondations qui n'ont véritablement pas été résorbées. On a eu le cas des enseignants. Combien de fois les enseignants ont eu à manifester en 2020? Ça, le chef de l'État ne va pas voir, M. Michel Ngatchou. On a eu la grève, deux grèves des avocats. On a eu deux temps forts, la grève des avocats. Va-t-il en parler de la grève des avocats qui ont posé des problèmes sérieux, du genre qui ne sont pas respectés dans les commissariats, dans les brigades. Ils sont bastonnés, ils sont muselés, et même les magistrats qui les font tabasser dans les différents palais. On a eu M. Michel Ngatchou, les dockers qui ont manifesté au niveau du port, se plaignant de ceci qu'ils n'ont pas. On n'a pas pris en compte le cahier de convention, M. Michel Ngatchou. Et il y a eu des négociations, il y a eu des discussions. On a eu le cas des employés de Nextel qui est venu démontrer la façon avec laquelle les multinationales traitent les employés. La question même de l'employé, la rémunération de l'employé, oui,
Il a facilité des petites augmentations pour les fonctionnaires. Mais dans le privé, ça se passe comment? Comment les employés sont tenus? Comment est-ce que se négocient les salaires? Il faudrait bien qu'on pose ces différents problèmes où vous avez des entreprises pleines de personnes qui ont organisé des manifestations devant les différentes entreprises. Vous avez la question des insuffisants rénaux. Il avait pris sur lui d'assurer la prise en charge complète et totale dans les hôpitaux. Pour 2020, les insuffisants rénaux, combien sont tombés? On a enterré combien? La pandémie, elle seule, à Covid, a fait tuer combien de diabète, de ceux qui avaient le diabète, combien de personnes qui avaient le cancer? On a masqué ça en Covid parce qu'il fallait gonfler les chiffres. Tout ça, le chef de l'État devrait et gagnera ses spectacles. Le discours de ce soir sera peut-être Monsieur Michel Ngatchou, énervant ou bien... Oui, il faudrait bien qu'on soit... Il y a le personnel enseignant des universités, le personnel d'appui qui a manifesté, leur intérêt. Vous avez les doctorants, on a réduit à cause de la dette académique. Il y a des séries pour la CDC ici. Il y a beaucoup de Camerounais qui ont manifesté. Le secteur des transports routiers au niveau des différents corridors, ils ont bloqué, disant qu'il fallait qu'on essaye de revoir. Donc le chef de l'État, je pense, il a eu beaucoup de dossiers. Vous avez le cas, M. Michel Ngatchou, des indemnisations. On en parlait encore ici, c'est hier, sur la Djoum, où les gens n'ont pas été payés, et c'est pas le seul endroit. Autoroute, Yaoundé, Simalène, il y a encore des indemnisations qui ne sont pas tombées, des mouvements d'humeur, la route ne peut pas avancer à cause de ça. 2020, c'est de repli identitaire. Le Cameroun a connu un repli identitaire sauvage, barbare. Sur les réseaux sociaux, vous êtes Bamileke, Boulou, vous êtes ceci, malgré la mise sur pied des lois. Mais le chef de l'État devrait s'intéresser à ce genre de choses. Il y a une ethnisation du pouvoir, disons-le comme ça, une ethnisation sauvage. Pendant 2020, quand on faisait les classements, tel, Boulou, c'est pas moi, je suis en train de retracer en disant, le chef de l'État doit se pencher. Vous avez eu l'affaire des concours. Alors là, c'était la catastrophe avec l'ENA. À 2020. La catastrophe est le meilleur avec les concours, où vous avez des individus tapis dans ce gouvernement qui, dans le processus de conservation logique du pouvoir, infiltrent leurs enfants. Infiltré. Vous avez eu le dernier mouvement de 10 millions de nordistes, avec tout ce que cela a fait, monsieur Michel Ngatchou, que le chef de l'État passe. Non, monsieur Ngatchou, soyons sérieux. Parce que là, les Camerounais nous regardent ce matin, et bien évidemment, pour ce talk show, est-ce qu'on ne sera pas plus nerveux ce soir? Parce que, écoutez, on est tous conscients des nombreux discours qui datent de près de 20 ans aujourd'hui. Est-ce qu'on ne sera pas plus nerveux ce soir en écoutant le chef de l'État passer à côté de la plaque alors que les Camerounais ont des problèmes plus urgents, plus sérieux sur Monsieur Michel Ngatchou, vous ne m'avez pas laissé terminer. 2020 s'en va avec presque... nous avons battu le record en termes de décès liés à la pandémie, mais nous avons sensiblement en termes d'accidents 1000 morts. Nous avons eu 1000 morts. Est-ce que le chef de l'État va se pencher et interpeller son ministre des Travaux publics sur la question des autoroutes? Regardez la pénétrance entre Est et Ouest. Comment est-ce qu'on entre à Douala, venant de l'ouest et venant du centre? Comment on entre à la ville de Douala? On a parlé des bretelles, des raccordements, on s'est vanté sur des pistes imaginaires qu'on allait faire. Oui, on est d'accord. Mais je pense qu'il y a des choses. Vous avez les femmes à Limbé qui ont manifesté. On a eu la situation de Garbou, M. Michel Ngatchou. On a eu la situation, ne l'oublions pas, c'est important de préciser, de ces enfants massacrés à Kumba. Des enfants qu'on a massacrés dans cette école à Kumba. On a eu les pauvres. Oui, M. Michel, il faut qu'on décrit. Vous avez le cas de cette école, Koulou College, Memorial College, à Limbé, où les enfants ont été déshabillés. Il faudrait bien, M. Michel Ngatchou, que le chef de l'État... Je vous entends parler, ça fait environ, on va dire, ça fait environ bientôt une heure qu'on parle justement de ce sujet. Mais là, j'ai bien peur parce que le discours peut faire 30 minutes. Pourquoi même 19 minutes. Peut-être même 19 minutes. Parce qu'en réalité, s'il faut se pencher sur les problèmes du Cameroun, réellement, il doit passer toute la nuit à parler au Cameroun. Bien. En réalité. Je termine avec le dernier point, là, M. Michel Ngatchou. Il y a une énorme... Non, il n'y a jamais de conférence, M. Michel Ngatchou, il y a une dichotomie sauvage entre la loi des finances qui a été votée, la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030 qui a été implémentée. Il n'y a pas de réforme. On devait faire procéder à une réforme des différents ministères. J'espère que le chef de l'État va se pencher sur ça, sur la faisabilité. Va-t-il au moins dire aux Camerounais ce qu'il a fait du DSE? Monsieur Michel Ngatchou, c'est déjà mort. On est à la SDN30. Et les objectifs de la SDN30 portent sur l'industrialisation. On se rend compte qu'on parle au niveau de la SDN 30, stratégie nationale de développement à l'horizon 2030, de l'industrialisation forte du Cameroun, mais que le ministère qui est censé industrialiser le Cameroun a un budget qui est strictement inférieur et que tout l'argent est versé dans les agapes au niveau du palais. Il faut que le
chef de l'État s'exprime sur cette question. Merci beaucoup, monsieur Mbatiou. Quel est le budget qui a été retenu en 2020 qui permettra bien sûr de faire la fête ce soir? Non, la fête de ce soir au Palais de l'Unité. Est-ce qu'on peut avoir le budget de champagne, des whisky, tout ce qui va se faire ce soir? Oui, de ce côté-là. Est-ce qu'on peut avoir bien sûr le budget? On est passé à un budget quand même colossal hein, avec les agapes au courant de l'année 2021 qui arrive. On va peut-être faire le nom aussi de peur de courroucer davantage les Camerounais. Mais les chiffres sont connus de toutes les façons. On va prendre vos messages, madame, messieurs, car ils sont tiers, vraiment. Les Camerounais nous laissent plein de messages ce matin. Et on va interpeller le gouvernement camerounais. S'il vous plaît, prenez la peine d'aller lire la page 10-12, le Zénith. Non, Equinox TV, mais... pour ceux qui nous regardent en live. Allez lire au moins les propos, les attentes, les vœux des Camerounais parce qu'ils 2020... s'expriment sur cette page-là au quotidien et ils vous interpellent. 2020 a été, Michel Ngatchou, excusez-moi, a été aussi une année de profonde répression et d'absence de liberté de la presse. 2020, liberté fondamentale. Voilà. 2020, c'est l'année à laquelle un journaliste est mort et a disparu. On ne sait pas où il est, on ne sait pas où ça dépouille, rien du tout. 2020, c'est l'année où un journaliste a commenté un truc dans un groupe WhatsApp et il est enfermé jusqu'aujourd'hui. Christophe Fomounian, si je ne me trompe. 2020, c'est l'année où un ministre a traité des chaînes de télévision et de radio, chaînes de médias à radio Mille Collines. Il y a 2020, c'est aussi l'année à laquelle le gouvernement camerounais a fait le plus de gaffe, a organisé des élections, a tout fait pour que ce soit lui. Sauf que ce matin, j'ai appris que les élections régionales, c'était un gros fourre-tout. Comment est-ce que ces élections régionales ont réussi à politiser les chefs traditionnels? Effectivement, puisque dans le commandement traditionnel, ils ne serviront à rien. On a désormais muté les chefs traditionnels en chefs politiques ou en acteurs politiques. Donc, il n'y a plus de chefs traditionnels au Cameroun. Mm-hmm. Tout de suite, justement, la lecture des messages de nos téléspectateurs. Voilà, un message. Je ne peux pas croire ce qu'il... Qui peut croire encore à ce qu'il dit? On a vu les 500 000 emplois, pour ne pas parler des taximens, des benskineurs et l'excès de tramol et odontol. En politique, il parlera de la mise en place de la décentralisation qui donne plus d'autonomie aux régions et donc au nord-ouest et au sud-ouest. Il va prendre pour alibi le corona à tout gâter dans ses plans et qu'il va falloir lui refaire confiance pour les 500 000 emplois en 2021. C'est le confinement qui envoie ces artistes au Cameroun. Ah, ça, c'est par rapport à votre introduction. Un autre message. Voilà, c'est vraiment... Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas vu Paul depuis 2020, hein, qu'on ne l'a pas vu en 2020. Oui. Vous l'avez vu, vous? Bon, il y en a qui disent que c'est... Les ambassadeurs français. Voilà. L'ambassadeur français l'a vu, en fait. Les Camerounais ne l'ont pas vu. Et il nous a dit qu'il allait bien, donc. Voilà. Mais il y a eu un discours le 19 mai. Il y a eu un discours le 19 mai, mais vous l'avez vu, vous, il est sorti. Est-ce que moi, il est même déjà vu depuis? Il y a eu un contact physique avec les Camerounais. Il y a eu un contact. Il n'a pas voté pendant les municipales. Ah, il allait voter? Il allait voter, non. D'accord. Maman, qu'il allait voter, non. Bon, bah, que t'as à doigt avec nous. Merci de nous lire les messages, je vous en prie, carré. Alors, cet homme doit respecter son engagement par rapport à l'histoire du jour. Au cas qu'il faut changer, il ne doit pas attendre le jour dit pour décider. Ça se parle avant. C'est le jour où le ministre. Ah, c'est ce jour. C'est le jour où le ministre Charles Ndongo qui va nous mentir davantage avec son. Analyse. Je comprends pas. Au Cameroun, on porte le nom de son mari jusqu'au jour où on a déjà l'argent. Le nom du mari commence à arriver après. Là, c'est par rapport à l'histoire du jour. Incapable de faire des visioconférences avec d'autres présidents. Il va apparaître ce soir. Massa, le Cameroun et ses mirages. Notre message. En politique, on a déjà lu celui-là. Cette catégorie de femmes ne sont pas mariées. Elles recherchent juste une sécurité sociale. C'est par rapport à la catégorie de femmes que M. Mbatiou a soulevée tout à l'heure. Il n'est pas têtu. Les Capricornes n'acceptent pas n'importe quoi. Ils sont droits. C'est pourquoi ils ont beaucoup de problèmes avec les... Et c'est pour ça que lui et moi, on s'entend pas alors. Mm-hmm. Parce que je suis aussi Capricorne. Okay. Deux têtes dures. Qui est Capricorne? Ah, vous croyez justement à tout ça? Oui, bien sûr. D'accord. Madame, l'homme, c'est le chef de la famille. Ce qu'il dit, c'est ce qu'on fait, point. Et ce n'est pas un débat. Faites ça à vos enfants.
Le mari la rambo pourquoi? Il change les plans en dernière minute comme ça. Pourquoi? Parfois les hommes doivent aussi comprendre que la femme a besoin d'avoir sa propre famille autour d'elle. Hugues quand Marie. Elle est mariée. Le chef de l'État va nous remplir des promesses avec ses prouesses. Maltraiter à mort les Camerounais. Un autre message. Avant d'entrer en 2021... Ok, aidez-nous à parler aux compagnies de multinationales de téléphonie mobile qui nous volent les données Internet. Tu mets 100 mégas, à peine 10 minutes, c'est fini. Merci. Kemo Elvis, je ne suis pas d'accord. Si elle saoule une fois, ok. Mais chaque fois qu'elle sort avec ses frères, non. Manifouette qui parle ce matin. Cet homme a une go dehors. Être jaloux de ta femme parce que tu as vu ses photos en train de danser. Allez savoir. Y a-t-il pas de message des Camerounais qui s'expriment justement par rapport au bilan qui a été fait ce matin, Karine? J'ai commencé par eux. Ils ont dit qu'ils n'attendent rien de ça. Ils ont dit qu'ils n'attendent rien par eux. Les crabes dans un panier se battront ensemble contre le bâton qu'on va y placer. Sans bâton dans le panier, les crabes se bouffent entre eux. Allez, merci beaucoup Karine. On va reprendre également d'autres messages tout à l'heure. Mais entre-temps, il est important de rappeler que notre confrère Abena, qui est aujourd'hui qui est correspondant d'Equinox Radio et Télévision dans le département de l'Océan, vient également de gagner un procès face à Guy Emmanuel Sabikanda, d'ailleurs, qui a été débouté par le tribunal de première instance. Souvenez-vous, un procès qui a été ouvert contre ce dernier pour diffamation. Devant le procureur, on lui a demandé des preuves. Il n'y en avait pas. Et faute justement de preuves, l'affaire a été complètement mise de côté. Et Guy Emmanuel Sabikanda a été débouté par le tribunal. Et là, on comprend simplement que c'est des menaces permanentes que les hommes, les acteurs de la presse ont au quotidien. Et nous encourageons, nous saluons fièrement notre confrère Abena. Et nous l'encourageons justement à continuer à œuvrer dans les missions qui sont les nôtres au quotidien, assignées par la direction générale d'Equinox Télévision et Radio. Merci de poursuivre notre mission de tous les jours, d'informer, mais surtout d'éduquer les Camerounais à travers des informations collectées au quotidien, bien recoupées et qui nous donnent de toujours les rendre sans inquiétude. Dans un instant, madame, messieurs, la colère, non pas la colère, mais la revue des réseaux sociaux, qu'est-ce qui fait le buzz sur la toile, Karine? Le bon année chef de l'État. Oui. D'accord. Vous savez que chaque année, quand même, les Camerounais s'attendent à ce que le chef de l'État fasse des cadeaux. Ouais. Et cette année, le cadeau, il est spécial parce qu'il a donné aux fonctionnaires de pouvoir de catégorie A et B de pouvoir aller en retraite désormais à 60 ans. Ceux de la catégorie C et D iront en retraite désormais à 55 ans. Et maintenant, juste après ça, un décret du Premier ministre a décidé de l'harmonisation aussi de l'âge de départ en retraite des agents de l'État, relevant du code du travail et qui désormais est à 60 ans pour ceux de la catégorie 8 à la catégorie 12 et 55 ans pour ceux de la catégorie 1 à la catégorie 7. Donc les fonctionnaires désormais, ils pourront travailler sans être fatigués. Vous avez entendu parler de ça, M. Mbatiou? Vous avez lu ce document, ce décret qui non seulement a été lu hier sur les antennes de la chaîne nationale, mais longuement et largement publié sur les réseaux sociaux. Et vous tombez là-dessus? Monsieur Michel Ngatiou, je m'interroge sur le pourquoi d'une sortie comme celle-là à la veille de la fin d'année. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce que le chef de l'État avait approuvé? Il pouvait le dire dans son discours. Pourquoi avoir anticipé, M. Michel, en faisant cette sortie? Ça pouvait être la grande annonce
du discours de fin d'année. Aujourd'hui, qu'on est en train de demander à rajeunir complètement le système, à rajeunir complètement l'administration camerounaise qui est vieillissante et qui sont les manifestations, sont la lourdeur dans la procédure, l'accélération des procédures. On ne parvient pas à updater. Vous vous rendez compte que l'administration n'est pas en ligne parce que ses pairs qui sont là ne maîtrisent rien du digital. On se plaint de ci, on se plaint de ça. On décide d'ajouter encore 5 ans à ces fonctionnaires. Mais bon Dieu, quand est-ce que le jeune pourra lui-même se retrouver là? Monsieur, vraiment, c'est la joie pour les fonctionnaires. Et il est important justement de mentionner que le décret qui a été lu, on a deux versions de ce décret sur les réseaux sociaux. On a eu un premier décret qui a été rendu public sans signature et sans cachet du chef de l'État. Alors d'aucuns sont demandés rapidement que mais le chef de l'État aurait-il caché son cachet? Est-ce que son cachet n'existe plus aujourd'hui? Et le deuxième décret, justement, arrive avec le cachet de la signature. Les Camerounais sont encore allés très loin dire, d'ailleurs, le premier document qu'on a justement en image, de quand on pensait que, oui, que ce premier décret, de quand on pense que ce n'est pas sa signature, c'est un scan. On a scanné justement la signature et on a posé cela. Lorsque ça commence à faire le bruit sur les réseaux sociaux, le deuxième document sort maintenant avec une signature et un cachet. Alors maintenant, les Camerounais même doutent en même temps de la qualité de ce document. Est-ce que c'est signé du chef de l'État lui-même? Est-ce que c'est son cachet, etc. Et ça fait vraiment parler plus d'un quand même sur la toile aujourd'hui. Bon, mon Bengan Kanji, c'est un cadeau de fête de fin d'année pour les fonctionnaires camerounais que de rendre public un pareil document à ce moment précis? Non, c'est le respect de son calendrier à lui seul. L'harmonisation de l'âge de départ de la retraite des fonctionnaires a été le premier point de la centrale syndicale du secteur public que dirige Jean-Marc Bikoko depuis au moins 1999. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ça a mis du temps. A mis du temps et il le fait aujourd'hui justement parce que voilà. D'abord, ça avait commencé par des inspecteurs de police. Comment vous pouvez être un inspecteur de police? Vous allez à la retraite à 50 ans. Et pour beaucoup d'entre eux, ils ne touchaient même plus les soldes de retraite. Pour quelle raison? On n'en sait rien. Un infirmier diplômé d'État ou un BVT, BVT accoucheur, comme on les appelle, va à la retraite à 55 ans, au moment où vous pouvez donner le meilleur de vous-même. C'était un plaidoyer qui dure depuis plus de 20 ans. Et c'est aujourd'hui, c'est pour ça que je vous parlais de calendrier tout à l'heure. Donc, c'est un président qui laisse pourrir la situation pour devenir un sauveur. C'est quelquefois même quand on ne s'attend pas. Et c'est pour ça que j'ai été offusqué hier. Et je ne sais pas, je ne condamne pas nos confrères de la CTV. Pourquoi mettre le papier où le premier ministre est en train de dire au revoir à ses collaborateurs, aux fonctionnaires qui vont à la retraite et que dans le même journal, on vous lise le décret qui dit non, en principe, ils n'auraient pas dû prendre la retraite. Vous voyez, c'est quand on dit que c'est lui, en fait, qui est le chantre de blocage, de goulot d'étranglement, de l'inertie. C'est-à-dire qu'il manque de cohésion. Et contredit. Manque de cohésion de l'action gouvernementale. Il dénonce ses collaborateurs, les ministres, alors que c'est lui. Vous pouvez justifier ça comment? Dans un pays sérieux. Or, on lui dit, Excellence, vous avez vous-même participé à des conseils de ministres. Si vous ne pouvez pas le faire de manière hebdomadaire, faites-le peut-être de manière mensuelle ou même trimestrielle. Mais jamais. Donc, ces problèmes se règlent au niveau des conseils des ministres. Permettez. Lorsque nous, Camerounais, vraiment, nous avons élu un président qui ne tient pas de conseil des ministres, vous demandez quand même que s'il ne peut pas le faire même hebdomadairement, qu'il le fasse mensuellement, voire trimestriellement. Au moins, mais trimestriellement, dans un pays sérieux. Au moins, qu'il en fasse. Qu'il en fasse quatre conseils. Qu'il en fasse même pas. Maintenant, vous ne savez pas ce que ça va donner. Mais sois sérieux quand même. Moi, j'ai peur. En fait, je vous dis quoi? J'ai honte à votre place. Demain, quand on va vous dire de montrer la photographie du gouvernement de Paul Biya de 2020. Où il est avec ses ministres, il n'y en a pas.
Avant 2020, vous allez, il y en a. Toutes ces photos voilà. sont avant Donc, C'est pour vous dire que sur le plan même de l'organisation institutionnelle, c'est un problème. C'est un problème. Donc on dit au moins que on peut avoir une tradition. On dit que tous les trimestres, on fait un conseil des ministres. Au moins ça, qu'on fasse. Au moins ça, parce que ça a commencé les remous. Je vous parlais de ces choses, c'est compliqué. Comment votre premier principal collaborateur, le premier ministre qui guide le gouvernement, met les gens à la retraite? Et comment on va faire? Le premier ministre va les rappeler? Le décret sera rétroactif? Je n'en sais rien. Bon, vous voyez, ça veut dire qu'en fait, les fonctionnaires qui avaient 54 ans, qui attendaient qu'en décembre 2021, ils vont en retraite, eux, ils vont profiter de 6 ans. C'est la malchance, c'est quoi? Donc, il ne faut donc pas que cela arrive. Voilà. Et toutes ces choses-là, c'est Bassek Bakobio qui le disait à un moment, que Paul Biya est le président le plus chanceux du monde. Parce qu'à chaque moment, il a des citoyens qui lui font des propositions pour que le pays ne bascule pas, que le pays ne tombe pas. Regardez seulement ça, nous sommes en fin d'année. C'est au moment où vous avez reçu des cadeaux du Premier ministre. Vous dites, ah, le Premier ministre a reconnu ma valeur. Merci pour les Merci. Les bons services en Diane. Après, on vous dit, vos collègues, là, ils ont encore 6 ans. Vous voyez, c'est... Et non seulement ils ont 6 ans, on ne pense pas à la nouvelle carte. Et autre chose qu'on ne dit pas là-dedans, et ces fonctionnaires du syndicat du secteur public, le central syndical du secteur public, avaient en train d'envisager comment il faut porter plainte. On a coupé les salaires des fonctionnaires, quelquefois de l'ordre de 70%. Mais quand il y en a qui ont pris leur retraite depuis une dizaine d'années, on vient leur donner les pensions qui sont liées à leur salaire initial qu'ils ne touchent pas depuis 1994. Vous direz ça comment? On vous coupe le salaire, on vous terminez votre carrière au moins 20 ans, 22 ans avec un salaire coupé, mais à la retraite, c'est mensonge, pitié ou quoi? Donc, et là maintenant, si le fonctionnaire porte plainte contre l'État du Cameroun, qui dit, mais le salaire doit correspondre aux cotisations, pourquoi vous nous donnez la pension du salaire que nous n'avons pas perçu pendant 20 ans? Donc, vous voyez comment chaque fois, il y a toujours des problèmes, distorsions, des goulots, et c'est compliqué. On va justement le dire, peut-être beaucoup de Camerounais s'attendent ce soir à un discours contraire à ce qui a été dit en 2019. Beaucoup d'ailleurs sont allés jusqu'à revoir le discours formulé par feu président Amadou Ahidjo. Et est-ce que ce sera l'occasion aujourd'hui? Quand on sait déjà que le discours est enregistré lui-même, les Camerounais verront quoi ce soir? Est-ce que, souvenez-vous quand même qu'il y a eu un discours pendant ce moment, il y a eu une coupure d'électricité, hein, où, et par la suite, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, l'ancien ministre d'ailleurs, hein, Michel Bazette Angarakoun, est venu justifier la présence des corbeaux qui avaient tissé un nid sur des transformateurs. Ben, les Camerounais, vraiment, ce soir, il y aura l'électricité et on va l'écouter de toutes les façons. Autre sujet, Karine Sontia. On s'intéresse encore à cet accident de la circulation survenu hier sur l'axe Douala-Yaoundé à Pouma particulièrement. Un véhicule de la congrégation Saint-Jean à Yaoundé avec à son bord 5 personnes est entré en collision avec un camion. Et le bilan, c'est un mort sur place en la personne du père Marie-Hervé Simo qui était au volant du dit véhicule. Et les 4 autres passagers grièvement blessés ont été conduits à l'hôpital de Pouma. C'est un accident qui a fait parler plus d'un également sur la toile ces dernières 24 heures. L'homme en image est bien évidemment le père Hervé Marissimo qui est décédé aujourd'hui des suites d'un accident aussi grave sur cet axe lourd. Douala, Yaoundé, Karine, vous le disiez, au lieu dit Pouma, effectivement. Lui qui voulait effectuer, selon les témoignages recueillis sur place, un dépassement avec un camion. Voilà. Est passé de vie à trépas, effectivement. Et c'est également l'occasion d'interpeller plus d'un Camerounais qui, pour beaucoup,
sont sur les arcs routiers camerounais et qui vont partir d'un point à un autre. Le voilà malheureusement aujourd'hui. Mais quand vous voyez l'état du véhicule après cet accident, vous comprenez que le choc était quand même assez lourd. Était très lourd. Mais je me suis posé une et question. Et on craint bien de la vie de ceux qui sont à l'hôpital aujourd'hui. Parce qu'il y a des informations qui nous disent qu'il y a certains parmi eux qui ont rendu là, mais on n'est pas encore très sûr. On n'est pas encore très sûr. Alors je me suis posé une question réellement hier dans un forum de journalistes où je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut justifier une mort aussi violente d'un prêtre quand même. Mais quoi? Il ne peut pas mourir, s'il est immortel. Ce sont des hommes, non? S'il est immortel. Bon, d'accord, c'est une parenthèse. C'est un accident. Donc, c'était on fait l'accident, ils sont morts. Oui, c'est vrai qu'on se dit que, mais attends, en étant aussi proche de Dieu, en étant... Quand vous roulez, ce sont les anges qui vous portent. Sauf que... Quand vous roulez, les anges vous portent. La route tue encore Dominique Audrey. La route a encore tué. Et ce n'est pas le seul accident qu'on a eu. Il y a eu beaucoup d'accidents, même sur d'autres axes routiers dans la ville, dans le Cameroun entier hier, même si on n'a pas relayé cela ici, il y a eu beaucoup d'accidents hier. Finalement, la route tue au Cameroun alors. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Ce n'est pas prêt de s'arrêter. Alors tant qu'il y a que... des jours, on s'insurgeait justement d'essayer. Oui, hier. Oui, et ce n'est pas terminé. Vous savez, il y a certainement des accidents qu'on n'a même pas relayés. Il y a un certain nombre de mesures qui doivent être prises, notamment l'éclairage au niveau des axes, le bouchage des trous. Bon, quand je dis qu'on doit appeler ça les pistes cacaoyères, il faudrait qu'on améliore pour que les personnes qui utilisent ces axes-là puissent les utiliser aisément. Et ça va dans les deux sens. Que ce soit les utilisateurs ou bien les personnes qui mettent à disposition, il y a énormément à faire. Vous savez, il faudrait que les conducteurs aussi roulent doucement parce que cette période, les gens consomment énormément d'alcool et prennent la route. Vous pouvez être lucide, mais quelqu'un vient vous... comme ça. Donc, il faut être vigilant au niveau des axes routiers. Donc, les conducteurs aussi ont une part de responsabilité. Déjà, nous adressons toutes nos condoléances à l'Église catholique romaine qui vient de connaître la mort de ce prêtre-là, étant donné que c'est une institution au Cameroun bien établie. Mais surtout, l'important de revoir Charlamagne Batiou, on entendait, on lisait encore sur ce plateau hier le communiqué du ministre des Transports, Ngalé Bibéé. Ben, à quelques heures, justement, au sorti de l'émission, on apprend encore qu'il y a tant de décès sur nos arcs routiers. Finalement, qu'est-ce qu'il y a de fait? Alors, monsieur Michel Ngatiou, je vais vous prendre un cas. C'est un monsieur Tsafak, qui rentrait de Yaoundé, où il était à la mission. Quelques kilomètres avant le pont de la Dibamba, il y a un bus, parce que ça a été filmé, je vais le citer, un bus de Pika Voyage, monsieur Michel Ngatiou, qui était devant lui. Lorsqu'il s'est rendu compte que la voie était ouverte, il a essayé de faire un dépassement. C'est à ce même moment que le bus de Buka engage son dépassement. Bien qu'il ait fait des signes, des signaux, il engage le déplacement, qui met l'autre en quatrième position. Qu'est-ce que le gars fait, sachant qu'il y a un véhicule qui vient, il entre en bus. Il réussit à ressortir de là quelques minutes après. Il arrive à Douala, il va à l'agence rencontrer le chef d'agence. Il rencontre le chef d'agence et lui explique numéro de bus, le numéro de bus, ce qu'il a vécu quelques minutes avant le pont de la Dibamba. Le chef d'agence de Buka fait appeler le chauffeur. Le chauffeur et ses collègues insultent copieusement le monsieur. Monsieur Tsafak sort de là, il va porter plainte. Il va à la délégation régionale déposer la plainte et rencontrer le délégué en lui disant « Voilà des comportements, voici des images et voilà des comportements qui peuvent mettre en mal et créer des accidents sur les axes routiers, monsieur Michel Ngatiou. » Le délégué lui dit « On va voir ce qu'il y a lieu de faire, vous savez, c'est chaud. » C'est le chef d'agence qui le rappelle en lui disant que « Calmez-vous » et tout et tout. Donc, voilà des attitudes. Si on a des Camerounais comme ça qui vivent des scènes, qui filment sur le trajet et qui vont porter plainte. Ça, c'est très important, M. Michel Ngatiou. Vous avez des camions, vous vous demandez parfois sur l'axe lourd, mais bon Dieu, ce camion sort d'où? Un camion, vous avez l'impression qu'on a scié l'armature principale du camion, l'a scié, le camion roule comme ça. Là. Un côté. Oui. Vous klaxonnez, vous faites les jeux, ils ne vous voient pas parce que le parallélisme du véhicule, tout est véritablement. Mais attendez, mais on a un ministre des Transports
qui devrait veiller. Vous avez des véhicules qui tombent en panne, des camions qui tombent en panne sur les axes routiers sans aucune signalisation, M. Michel Gadjou. Aucune. La prévention aussi. Les véhicules dont on a doté, tous ces grands ministères, et qui sont censés faire les navettes entre Douala et Déa, Pouma, Banco, Boumiebel, Banco Mo, c'est leur rôle de venir signaliser. Vous renforcer les effectifs de cette prévention. Non, monsieur Michel Gatchou, les effectifs sont largement suffisants. Le matériel et la paresse, ils ne travaillent pas. On n'aurait pas perdu le père Hervé, on n'aurait pas perdu les accidents qu'on a eus à Marois. Je regardais encore le matin, le Pédigny, vous avez ambassadeur, mais j'ai mis les mains sur la tête. Ce n'était qu'une fête, c'était que le bal des morts. Ce n'était que le bal des morts. Ça peut être pompiers qui sont par là, les accidents, mais bon Dieu, c'est quand même une fête. Pourquoi est-ce qu'on n'éclaire pas nos axes routiers? D'abord, est-ce que c'est même des accidents? Des pistes. Bombok, la situation est grave quand même sur nos routes aujourd'hui. Oui, absolument. Et lorsqu'on parle d'un programme d'assassinat collectif des Camerounais, vous pensez qu'on blague? On ne blague pas. On ne blague pas. Nous avons l'habitude de vous dire que la tradition africaine est scientifique. Lorsque les phénomènes physiques arrivent, sachez que ces phénomènes se sont dessinés quelque part dans un environnement qu'on appelle des noumènes, qui produit des noumènes avant que ça ne vienne phénomène. Ça veut dire la chose simple suivante. Nous, en fin d'année, on disait fin de cycle. Vous vous dites, même comme les catholiques ont changé de calendrier, nous avons un calendrier grégorien qui nous dit qu'on est en fin d'année. En fin d'année, le Bantou faisait comment? Parce que nous, notre calendrier, un mois à 30 jours. Nous avons les décades. Donc, un mois à 30 jours et une décade à 10 jours. À la fin de chaque cycle, il restait 5 ou 6 jours. On consacrait donc les 5 ou 6 jours, selon que l'année est ordinaire ou bissextile, à dire à Dieu, à faire le bilan. Si on a fait des mauvaises choses, si on a fait mal, par exemple, maintenant, vous avez la déréglementation climatique, peut-être que les champs ne produisent pas assez, on reste en harmonie avec la nature, on demande pardon à Dieu, on fait des promesses, c'est ça qu'on appelle Ndak. Vous faites des serments aujourd'hui que vous ne respectez pas. Par exemple, vous parlez tout à l'heure, chef de l'État, il fait des serments, il ne respecte pas. Quand vous ne respectez donc pas le serment, Dieu vous tourne le dos. Et quand vos ancêtres, Dieu vous tourne le dos, il n'y a que la désolation que vous sèmez. Donc c'est aussi simple à comprendre. Merci. Mais quand est-ce que vous allez donc le comprendre? C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, l'Assemblée nationale devait voter un budget qui amène les Camerounais au fil, et c'est demain. Vous dites, on met certains à la retraite, on les represse. Donc on est dans des chevauchements compliqués. Or, à ce moment-là, vous ne pouvez donc pas bien comprendre ce que les Africains appellent la théorie de la complexité. Merci et beaucoup. Dans la théorie de la complexité, l'homme est effectivement ce qu'on appelle l'infiniment complexe. Tout de suite, madame, monsieur, allons retrouver Constil Aminké avec nous pour nous parler d'autres choses et le concept Savaka. Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de points chauds de flamber, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis, le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci. Oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Merci infiniment. Constil Amine, vous nous retrouvez tout de suite pour nous le dire davantage. Bonjour à vous déjà et bonne année 2021.
Alors, bonne année mon frère Michel Ngatiou, bonne année à Mbombong Benga, notre père de cette émission, bonne année à Charles Amel Mbatiou, bonne année à Karine, bonne année à Dominique, bonne année à tous les téléspectateurs de cette émission, mais alors une très bonne année à la direction générale d'Equinox Télévision, cette direction générale qui a ouvert les portes du concept Salaka. C'est l'occasion pour moi de dire merci, mais alors mille fois merci au président directeur général d'Equinox Télévision, de dire mille fois merci au directeur d'exploitation, de dire mille fois merci à la responsable commerciale, à la directrice financière, à tout le personnel d'Equinox Télévision, parce que dans la vie, soyez toujours reconnaissant, parce que la reconnaissance vous permet d'avoir plusieurs bénédictions. Et parlant bien sûr de reconnaissance, je suis également reconnaissant à l'endroit de tous les partenaires de cette émission, de tous les parents du concept Salaka. Je pense bien entendu à Sa Majesté Arnold Etteki, je pense au maire de l'arrondissement de Douala 3e et Poupabo Sambo Valentin, au maire de Bonaléa, tous ces gens-là qui ont soutenu le concept Salaka tout au long de l'année 2020. Et à tous ces gens, je leur dédie ce magnifique prix que je viens encore une fois de plus présenter ce 31 décembre 2020. Ce prix, je vous le dédie, chers téléspectateurs, car c'est grâce à vous que le concept Salaka a reçu pour la 3e fois consécutive le prix du meilleur concept de vente en direct au Cameroun, décerné par la Fondation camerounaise des consommateurs. Alors, chers téléspectateurs, ce prix est le vôtre. Et aujourd'hui, je vous invite, bien entendu, également du côté de la terrasse de l'hôtel Lumière. Vous aviez encore quelques heures seulement pour faire des achats à des prix vraiment promotionnels du côté de la terrasse de l'hôtel Lumière. C'est en plein cœur de Douala. Et je rappelle également que ces tapis de braise sont en train d'être expérimentés. À l'heure actuelle, je vous parle du côté du restaurant Méditerranée. C'est en plein cœur d'Aqua. Vous avez ces tapis de braise à 8500 francs à la terrasse de l'hôtel Lumière. Donc, ceux qui nous regardent à Yaoundé, du côté bien sûr des Bolova, passez vos commandes dès à présent en appelant les numéros du concept Salaka que vous avez. Voilà. Alors, rendez-vous du côté de la terrasse de l'hôtel Lumière et achetez un tapis de braise à 8500 francs seulement. Merci beaucoup et bonne année à tout le personnel du restaurant Méditerranée, restaurant partenaire des tapis de braise. Merci beaucoup, merci infiniment. Vous avez pris beaucoup de temps à faire beaucoup de remerciements et pourtant, il faut vendre d'abord. Hein, Consti, c'est important. Merci à vous, madame, monsieur. On vous dira à vous également. Merci de nous avoir suivis pendant toute l'année 2020. Nous vous souhaitons justement de passer une excellente année 2021 et nous vous demandons, quoi qu'il en soit, de rester très prudent. N'oubliez pas non plus que le Cameroun se construit chaque jour et c'est avec vous que nous allons ensemble construire ce pays et c'est ensemble que nous allons construire cette nation. N'oubliez pas également que nous pensons à ceux qui sont dans les prisons, à ceux qui sont malades. Excellente année 2021 à vous. Merci encore à Equinox et merci bien sûr à toute la famille qui pendant l'année nous a accompagnés. Je voudrais remercier ici Emmanuel Wapi, Cédric Chounan, Nadine Guangfo pour ne pas faire jaloux. Ils sont très nombreux justement qui travaillent avec nous chaque jour. Charles Amel Mbadjou, Farel Bouni effectivement. Charles Amel Mbadjou, jeux d'anniversaire encore. On attend le gâteau tout à l'heure. Bon, merci. Karine et le gâteau, ce sera le cookie. Oui, on verra le téléspectateur qui viendra nous donner le gâteau tout à l'heure. Comment? Donc, merci à vous. Merci à vous vraiment. Très bonne année, Dominique Audrey. Très bonne année, Karine. Bonne année à vous, Michel. Bon, on se donne rendez-vous en juillet. Votre année. Hein? Pour nous, c'est bien en juillet. Mais Charles, l'année dernière, ils n'ont rien donné. Vous n'êtes pas venu à la chefferie. Merci beaucoup. Allez, excellente année 2021, madame, messieurs.